C'est quoi un maître d'armes? Bon, déjà, dans les AMHE, nous, en tant que pratiquants aujourd'hui, on n'a pas le titre. On n'a pas le droit de l'avoir. Il appartient, en fait, sur le titre appartient à la FFE. Et de toute manière, les maîtres sont morts. Les vrais maîtres, les maîtres qui ont écrit les manuscrits sont décédés. Et ils n'ont pas fait d'héritier. Donc, en fait, comme il n'y a pas d'héritier, il n'y a pas de filiation, il n'y a pas de maître qui a remplacé les maîtres qui ont disparu. Donc, nous, on n'est pas maître du tout. On est, aujourd'hui, quand on enseigne les AMHE, on est instructeur. D'accord? Après, à l'époque, les maîtres d'armes, ben, ça a assez varié quand on regarde. Il y a des gens, souvent des nobles. Il y a effectivement des nobles où il y a des gens qui sont de carrière militaire, des soldats, des gardes, etc. C'est très très varié. Moi, je parle essentiellement pour la germanique, hein, vu que c'est ma spécialité. Mais dans la germanique, tu as de tout. Au cours des âges, tu as de tout. Si je devais donner une définition maintenant d'un maître d'armes dans l'histoire, elle serait pas bien différente de ce qu'on pourrait dire d'un maître d'armes aujourd'hui. Tu vois, c'est globalement quelqu'un qui donc enseigne, transmet un savoir martial. On met derrière martial un peu ce qu'on veut. Hein. Souvent, c'est lié à des armes, okay? Même si on se rend compte que la pratique d'une arme, c'est souvent lié à des choses aussi qui ne sont pas forcément armées. On a fait de la lutte, bon, bah, c'est souvent la base des disciplines armées. Il faut savoir lutter, parce que savoir lutter, ça permet de savoir se tenir, d'avoir une bonne posture, d'avoir une bonne structure, d'être musculairement affûté, si tu veux. Donc, ça a plein d'avantages. Mais un maître d'armes de l'époque n'est pas bien différent d'un maître d'armes d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'il a un savoir, il est dépositaire d'un savoir et il l'enseigne contre rémunération. Et après, bah, chaque maître d'armes, voilà, selon sa discipline, il va avoir ses choix, sa philosophie, son fonctionnement d'école, etc., etc. Voilà. Le palmarès, je commence à être vieux, hein, globalement, sur la discipline. Donc, ce n'est pas tant ce qui m'intéresse, croquer des médailles, tu vois. Moi, je veux surtout que la discipline, elle continue à exister. Aujourd'hui, je suis dépositaire d'un savoir. Voilà, je me suis buté pendant suffisamment d'années sur les sources pour accumuler suffisamment de connaissances pour pouvoir les transmettre. Moi, mon but, c'est que demain, les AMHE disparaissent pas, comme c'est déjà eu le cas, parce que bon, on a perdu ça en 400 ans. Ça serait bien qu'on arrête de le perdre et que du coup, il y ait une passation. Les médailles, c'est bien, ça fait, c'est bien, ça, c'est bien pour l'ego. Tu vois, c'est joli dans l'armoire, ça fait briller les trucs. Mais après, la moitié des compétitions que je fais, de toute façon, c'est soit des compétitions techniques, soit des compétitions que je fais sans forcément la volonté de la gagner. Oui, j'ai mon palmarès, mais je fanfaronne pas, si tu veux, à partir de ça, quoi. Ouais, les AMHE, c'est vaste, hein. Il y a énormément, énormément de disciplines. Il faudrait des vies entières, plusieurs vies, pour pouvoir être bon dans tout. Moi, j'ai commencé avec ça. J'ai commencé avec l'épée longue germanique quand j'avais 15 ans, en 2005. Et du coup, bah, j'ai jamais arrêté. Et moi, j'ai toujours préféré les spécialistes au touche-à-tout. Alors, touche-à-tout, c'est bien, mais en arts martiaux, un touche-à-tout, il se fait plaisir. Ok? Découvre un dernier machu, tu peux te faire plaisir. Il y a tellement d'armes, tu peux découvrir 50 000 trucs, 50 000 traditions. Donc, si tu as envie de passer d'une arme à l'autre, de changer chaque saison pour découvrir plein de choses, que tu as cette soif-là de découverte, c'est super. Mais moi, je suis plutôt de la team où. J'aime bien être creusé à fond une arme, quoi, tu vois, quitte à ne faire que ça, quoi. Et en vérité, quand tu veux être un. Je m'y mettre, mais je veux pas être un maître, on n'a pas le titre, je le répète. Mais quand tu veux vraiment pas dire de conneries sur une tradition, bah, tu te spécialises dedans, tu vois. Je peux pas demander à un maître de karaté pourquoi il ferait que du karaté, tu vois. Bah, moi, c'est un peu pareil, j'estime que, voilà, j'ai tellement creusé ça et je continue à creuser des trucs, à être de plus en plus fin dans ma compréhension et dans la façon dont je transmets, que je me vois pas faire autre chose. Tu vois. Je touche à d'autres armes, hein, mais je touche pour le fun. Tu vois. Voilà. Alors, la période historique de la tradition germanique de l'épée longue, ça va du 14e au 16e. C'est quand même long, en 2 siècles en vérité, c'est beaucoup. Le maître à penser de la tradition, c'est maître Johannes Lichtenauer, un personnage qui aurait vécu à la fin du XIVe siècle et qui aurait enseigné à plusieurs personnes qui se sont baptisées la confrérie de Lichtenauer. Ils étaient 17. Et en fait, ce maître, on ne sait pas s'il existait. Aucune trace de son existence. On ne sait pas s'il est né, on ne sait pas s'il est mort, on sait pas si, c'est peut-être une licorne qu'ils ont tous inventé pour dire, voilà, on a un vieux gars comme ça, un peu mystique, qui nous a dit, voilà, le secret de l'escrime. Et du coup, ils le répètent en boucle les uns les autres en donnant un petit peu leur interprétation de son poème. On a un poème. Voilà. On a un poème qui s'appelle le Zettel, c'est le récital, c'est la traduction. Et en gros, c'est un texte en vers
qui a une forte valeur mnémotechnique, donc on pense que c'est, enfin qui est très mnémotechnique, donc on pense qu'il y a un côté pédagogique, mais qui est aussi un peu en mode un peu show-off, un peu en mode je te vends les secrets, donc ça fait aussi un petit peu un flyer, tu vois, un petit peu la carte pour vendre, tu vois. Donc il y a des gens bien plus compétents comme moi, historiens, doctorants, qui ont étudié ce texte et qui ont essayé d'en dégager le propos, pas le propos au sens martial, mais le pourquoi. Pourquoi il est fait comme ça? Est-ce que c'est vraiment un poème qui est là pour enseigner? Est-ce que c'est un poème qui est là pour vendre? Est-ce que c'est un peu les deux, tu vois? On ne sait pas trop. Ce qu'il en reste, c'est que tous les glossateurs le reprennent. À chaque fois, à chaque début, n'importe quel manuscrit que tu prends de la germanique, il y a le poème au début. Et ensuite, il y a la glose, donc le commentaire de ce poème pour dire voilà ce qu'un poème ne dit pas. Parce que le poème, il est grand, mais il n'est pas si grand que ça. Les techniques ne sont pas expliquées de manière très précise, ou alors c'est cryptique. Tu vois, c'est un peu secret, comme ça, un peu abscon. Il y a des tournures, tu vois, qu'elles sont là pour faire la rime, mais on ne les comprend pas forcément. Tu dis ça n'a pas trop, forcément toujours du sens. Et les glossateurs, ils sont là pour l'expliquer. Donc voilà, ça dure jusqu'au XVIe siècle, pour l'épée longue en tout cas. Sachant qu'au XVIe siècle, c'est déjà plus une pratique pour la guerre. C'est une pratique pour le sport. C'est des bourgeois qui vont dans des salles d'armes et qui apprennent cette arme un petit peu noble, un petit peu aussi déjà fantasmée, tu vois, 2 siècles plus tard, pour aller faire ce qu'on appelle des fechtuleux, donc des manifestations sportives où les combattants montrent leurs valeurs par l'esthétisme de leur jeu, par le fait, la façon dont ils arrivent à dominer leur adversaire, etc., etc., mais plus pour la mort. Voilà. Même s'ils reprennent les techniques des anciens maîtres qui changent. Pas toujours, ou juste légèrement pour dire, bon ben là, normalement, je devrais lui mettre une pointe dans la gorge et le tuer. Ben à la place, je vais plutôt le fouetter avec le plat de mon épée pour lui dire, t'as vu? Tu serais mort là. Ben, l'épée longue, c'est l'épée à deux mains. Après, ouais, y a plein de nominations. Après, maintenant, il existe des épées à deux mains plus grandes. Comme là-bas, tu as une très grande épée. Ça, c'est une grande épée. C'est une Greatsword, c'est une Vaillander, c'est une Montante. On a tendance aussi à dire que c'est des deux mains, en tout cas dans la pop culture, dans le jeu vidéo. Mais il s'avère que c'est pas la même chose. C'est-à-dire que oui, on est sur une épée qui se manie à deux mains, bien sûr, mais c'est pas une épée longue. Et la façon de manier ça et l'époque où ça existe n'est pas vraiment la même que celle-là. Donc nous, les manuscrits se basent, les manuscrits sur lesquels je me base, c'est pour manier celle-ci. Manier celle-ci, c'est différent. Ça, c'est pas une arme de duel. Ça, c'est une arme de gestion de masse. Ça, c'est 1,5 kg. Ça, c'est 2,5 kg. Alors c'est énorme, hein, mais ça pèse que 2,5 kg. Ça sert à protéger des lieux, des biens, des ponts, des portes. À désencercler des foules, à éloigner plusieurs opposants. Ça sert au duel, un peu à la guerre, même si à la guerre, on va lui préférer d'autres armes. Voilà. Donc oui, ça c'est une épée longue, épée à deux mains. Ça c'est une grande épée. En anglais, ils diraient great sword, nous on dit grande épée, mais en fait c'est pas le même maniement. Oui, on met deux mains sur l'épée, mais ça se manie pas du tout pareil. Et c'est pas du tout le même but. Et c'est plus tardif aussi. Voilà. Alors Meyer, c'est justement dans la tradition germanique, Joachim Meyer, c'est le dernier, c'est-à-dire c'est celui qui est arrivé le dernier manuscrit qu'on a, si je dis pas de bêtises, en tout cas qu'on a découvert. Parce des fois on en trouve encore, hein, il n'y a pas si longtemps, on a trouvé un dernier manuscrit de Meyer. On sait qu'il y en avait écrit trois, ok. On avait celui dont on parle le plus, qu'on connaît le mieux, c'est celui de 1570, qui est le dernier, ok. Joachim Meyer, strasbourgeois. Germanique, à l'époque Strasbourg c'était pas en France, donc très germanique, de toute façon il écrit en allemand. Okay. Et donc comme je te disais, lui c'est une escrime de sport, mais des guillemets sur sport, hein. Le sport de l'époque n'est pas forcément le nôtre, encore une fois, attention. Donc oui, Joachim Meyer, donc c'est a priori le dernier. Trois manuscrits, et pour la petite anecdote, on en a retrouvé un qu'on pensait perdu il y a de ça 2 ans. Voilà, le premier des trois, celui de 1561, si je dis pas de bêtises. Il a été découvert par hasard dans une petite bibliothèque, d'un musée, d'un petit village à la frontière, machin. Et ça a été un peu en mode Indiana Jones, quand on découvre le manuscrit perdu, on était là tous dingues, tu vois, parce que y a quand même y a un gros fantasme dans les MHE de l'archéologue, tu vois, cette espèce de rêve de trouver les choses disparues, que tout le monde croit disparues et qu'en fait non, on les a, tu vois. Et il en reste plein dans les animations, on n'a pas de manuscrits français de l'épée longue. Alors que pourtant on sait qu'il y avait des maîtres, il y en a qui sont cités. On sait qu'en France, il y avait de l'épée longue à la même époque. Mais on n'a pas de manuscrits. Et il y a plein de gens qui crèvent après le fait de retrouver un manuscrit français, quoi, tu vois. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est tributaire du coup de nos voisins, les Germains et les Italiens avec Fioré. Pourquoi on parle de Fioré? Parce qu'en fait, quand tu parles de la Germanique, il est souvent. Quand tu parles de Lichtenauer, on le juxtapose souvent dans la communauté des longuistes, les longuistes pratiquent en épée longue. Voilà, c'est l'autre côté de la pièce. Il y a deux grands courants,
germanique et italienne. Et on ne peut pas parler de la germanique sans évoquer l'italienne, parce que c'est notre. Il n'y a pas de rivalité, si tu veux. Et en plus, c'est très similaire en vérité. Il y a des gens. Les fioristes mettent l'accent sur les différences entre Fiore et les germaniques. Les germaniques, un peu moins, en tout cas, les germaniques que je connais. Parce que finalement, quand on lit Fiore, on se dit Fiore est italien, mais à l'époque de Fiore, l'Italie, c'est un concept. Hein. L'Italie n'existe pas vraiment, tu vois. Il est plus allemand qu'italien déjà à l'époque. Mais écrit en italien, donc c'est italien. Mais voilà, lui, le truc avec Fiore, c'est qu'on sait qu'il existait, on sait qu'il a vécu, on sait où il est mort, on sait où il est né, tu vois, on sait beaucoup plus de choses sur lui. C'est pas une licorne comme Lichtenauer. Et lui, là où nous, on a 17 mecs qui ont écrit autour du grand maître ses paroles, Fiore, il a écrit. Directement, c'est sa parole à lui qui l'a couché sur le papier. Donc c'est le maître qui te parle directement, le mec de la tradition qui parle directement. Là où nous, c'est des paroles rapportées. Donc c'est ça en fait, la vraie différence, elle est là, tu vois. Mais le truc aussi, c'est que Fiore est pas aussi pointu que les Allemands pour expliquer les choses. Les Allemands ont toujours été, c'est une langue qui est très descriptive. Ils sont très forts pour la description, pour exprimer du concept. Là où Fiore, quand il t'explique des pièces, tu sais pas s'il est en train de t'en mettre, d'essayer de t'en mettre plein la gueule, de t'impressionner en disant, mais là, je le mets par terre et je le domine et machin bidule, tu vois. Ou si vraiment il a choisi ses mots pour que tu comprennes exactement. Et les fioristes ont plus de difficultés à interpréter les jeux de Maître Fioré parce que justement c'est plus cryptique. Ça, c'est de l'ego trip parfois sur un rappeur Fioré. Là où les germains, c'est un peu des scientifiques, oh, toc toc toc, c'est comme ça, c'est comme ça, il fait ça, tu fais ça. En branchement, tu as un fonctionnement bien plus logique dans leur façon d'écrire. Voilà. Je vais, sur ce week-end, vous avez vu le programme, à essayer de faire un tour complet de la tradition germanique, ça veut dire tous les glosateurs. Je considère aussi meilleur dans mon atelier, même si meilleur, vous le savez, pour certains, ça commence déjà à s'éloigner des premiers glosateurs et d'être dans une démarche sportive. Mais il faut bien dire qu'aujourd'hui, on est aussi dans une démarche sportive, on fait des AMHE. Voilà. Le point de départ pour faire la germanique, souvent on commence, on peut vous tapater, à tâter le chaland en utilisant les coups de maître ou les maîtres coups. D'ailleurs, on parlera des façons de traduire. Moi, j'ai une petite préférence pour maître coup, on verra pourquoi. Mais ce n'est pas forcément le meilleur point de départ. On ne parle pas assez de footwork chez les germaniques. Et pourtant, savoir marcher et savoir comment se tenir, c'est super important. Alors, vous avez certainement déjà fait des ateliers et eu des instructeurs qui vous ont parlé de structure. Et la structure, c'est un concept très important dans les arts martiaux, tous les arts martiaux. On a tendance à l'utiliser beaucoup, mais on n'a pas forcément toujours une bonne définition ou une bonne illustration de ce qu'elle est dans les AMHE et dans les PO. Il y a une source, cependant, qui nous parle bien de structure, et à ma connaissance, c'est la seule qui vraiment l'évoque aussi bien, c'est le Codex Wallerstein. Okay, donc le Codex Wallerstein, c'est un codex, donc c'est un compilé, c'est pas Maître Wallerstein, ne dites pas ça. Si vous dites, ouais, moi je suis l'enseignement de Maître Wallerstein, vous allez passer pour des couillons. Maître Wallerstein n'existe pas, d'accord? C'est un compilé de Danzig, Dürer et. Troisième, j'ai oublié. Désolé, je suis failli. Donc la structure, c'est quoi? La structure, c'est bien se tenir. Allez, ça implique bien marcher et avoir une bonne posture. Donc, je vous lis ce que dit le Codex Wallerstein. Lorsque tu affrontes quelqu'un et que tu viens vers lui à l'épée, c'est-à-dire que vous avez tous les deux engagés, alors étends tes bras et ton épée devant toi, place-toi avec le corps abaissé sur une balance, tiens compte de l'allongement et du mouvement de l'épée, tu pourras alors manœuvrer et te défendre toutes les fois que cela sera nécessaire. L'allonge consiste à te placer derrière ton épée et à t'étendre. L'équilibre consiste à te tenir abaissé comme il fait ici. Fais-toi petit avec le corps, alors tu seras grand à l'épée. Folio 3 recto du Codex Wallerstein. Ça nous dit plusieurs choses, il y a plusieurs mots-clés. Les deux mots-clés qu'on va considérer, c'est balance, divag, okay, en allemand, et l'allonge, length, qui, vous allez voir, n'a rien à voir avec notre portée. Okay. Divag, c'est quoi? Divag, c'est la balance. Et divag, ça nous donne des informations de comment nous tenir. Donc, vous avez déjà un petit peu dit l'importance d'être fléchi sur les genoux. Alors, première chose, l'ancrage, d'accord? Ensuite, un autre truc, ça nous parle. Une balance, c'est pas nos balances à nous, d'accord? C'est une balance archaïque. Qu'est-ce qu'une balance archaïque? Une balance archaïque, on pourrait la représenter une planche de bois sur un cylindre, ok? Et du coup, il faut être capable de se tenir sur cette balance archaïque. Donc, je sais pas si vous avez certainement tous été enfants, j'en suis sûr. Il y en a certains qui ne sont pas nés aussi moches, ils ont été gros bébés un jour. Quand on est sur une planche de bois sur un cylindre, ce qui se passe, c'est que ça n'arrête pas de bouger. Donc, comment on fait pour pas se casser la gueule? On fait ça, ok? On est chancelant et en fait, on répartit. D'une jambe à l'autre, notre poids, ok? Ben ça, c'est l'ivalence, ok? Ça, c'est la balance. Et en fait, faire ça,
Bah, ça permet de passer le poids sur la jambe avant, sur la jambe arrière, de créer des équilibres, de venir exploser. Ok ? Souvent, au fur et à mesure de l'exo, ça c'est normal, c'est comme quand on se bat, on sait qu'il ne faut pas avoir les talons sur la même ligne, mais quand on se bat dans la réalité des faits, on commence peu à peu plus on avance, on se rapproche, mais pas se rapproche. Et ça nous amène des problèmes inhérents au fait de ne pas répondre sur la même ligne. Bon, quand on fait cet exo, il y en a qui naturellement commencent à revenir ici. Une jambe vraiment devant, une jambe vraiment derrière, profilée, posture, l'esprit moderne. Encore une fois, je ne suis pas là pour pitcher l'esprit moderne. Je mets en avant les différences entre eux. Pourquoi les postures de moderne marchent pour la moderne et pourquoi ça ne marche pas pour les pions. Là, si j'ai une arme sur un bras, pourquoi ça c'est parfait. Une arme à une main, c'est super. On a une arme à deux mains, vous allez voir après pourquoi c'est une jambe. Donc, dans l'exercice avec Iva, plus je suis là, plus je fais ça, je vais pouvoir aller plus facilement à l'épaule de son bras avant. Par contre, pour aller chercher son bras arrière ou pour aller utiliser le mouvement, il faut que je fasse un grand mouvement. Ça, il va devoir venir. Pourquoi cette distance-là. Il va devoir venir, il va devoir marcher. Donc le coup que je fais, plutôt d'être là, on est là. Et là, j'accède à toutes ces épaules. Je suis plus face à lui. J'ai quand même une jambe arrière, j'ai quand même une jambe arrière. Mais je ne suis pas profilé. Je suis comme ça, en conne. Supposons si lui, il est jambes droite devant, devant son final. Là, okay. Lui, il va, avec ce bras-là, essayer très souvent d'attraper mon bras avant, mais moi globalement, derrière. Ok. Parce que là, je me bloque. Non seulement mon coup de poing me permet de contrôler son espace de déplacement, mais en plus, j'ai autant de manœuvres pour aller chercher avec mon bras arrière, avec mon bras avant. D'accord ? Donc, et ça, vous allez voir que c'est la base et à l'épaule, ça se retrouve tout le temps. Donc, on arrive au deuxième point. Alors, normalement, je voudrais faire des pentes à partir de ça. Vous savez ce que c'est une pente ? On est là, ok ? Ok, là, pente, vous avez déjà vu une pente. Bon. Quand on fait du coup divague et qu'on est comme ça, les fentes ne sont pas tout à fait pareilles. Nous, à l'épée longue, on essaye, autant que faire se peut, d'être latéralisé, c'est-à-dire de ne pas forcément toujours aller tout droit sur l'adversaire. Ça tombe bien, quand je suis ici, je peux tout à fait faire une fente devant moi en jetant la jambe sur le côté. Ok ? Et du coup, donc ce que je vais vous demander, c'est de faire des fentes, mais pas les fentes de moderne comme ceci, de faire des fentes à partir de divague, et de venir là, et de venir là. Et si vous faites élégamment, ok, on danse. On danse. Allez, faites ça. Tu peux vraiment le monde. J'ai parlé de DIY, la balance. Le deuxième terme clé dans ce folio du côté de Solar Tail, c'est length, l'allonge. Mais l'allonge, comme je vous ai dit, c'est piégeux parce que le rallonge ne veut pas dire la portée que j'ai. L'allonge, c'est un indice sur comment on se pose. Je reviens sur l'exemple, je suis moi sur cette balance archaïque qui est déséquilibrée, sur laquelle je dois être capable de conditionner, de passer le poids sur la jambe arrière vers le poids sur la jambe avant, pour garder l'équilibre. Sauf que si maintenant... Bon, quand on n'a pas d'épée, c'est super. Oui, c'est mon corps, je gère. Sauf que maintenant, j'ai une épée tenue à deux mains,
Et là, le problème, c'est que j'ai beaucoup plus de poids devant moi, à cause de mon épée, que sur l'arrière. Ce qui fait que naturellement, ben, je vais être penché vers l'avant. Et vous le savez, je pense, à l'épée longue, si vous finissez comme ceci sur n'importe quelle frappe, sur n'importe quel mouvement, vous êtes dead. Okay, vous allez vous en prendre une grosse sur la tête, et à moins que vous soyez capable de revenir très vite avec une buff pour faire un abzouk, là je balance des, avec une box pour faire un abzouk, là je balance des termes, name dropping, là, on parlera plus tard, eh bien vous allez vous faire péter la gueule, ok? Et il ne faut pas être déstructuré. Déstructuré, il y a tellement d'indices sur l'importance de la structure et sur le fait de casser celle de l'arrière. Que dès lors que vous perdez cette structure, vous savez que vous êtes dans une mauvaise situation, d'accord? Donc cette épée longue, elle nous emmerde parce qu'elle rajoute un poids en avant, et même si je suis bien positionné sur D-Wag, ça m'embête. La longe va corriger ça. La longe, c'est le fait d'étendre son épée devant soi et d'éloigner le buste de l'épée. Okay? Donc du coup, ce poids qui est là, il faut que je le rééquilibre. Je me mets le profil volontairement. Comment je le rééquilibre? Hop. Je viens légèrement mettre mon buste et ma tête en retrait. Comme ça, là, je suis sûr d'être plus équilibré. Et une bonne structure à l'épée longue. Alors, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas commencer à être comme ça. Dès lors que vous sentez que ça presse ici, ce n'est pas bon. Hein. Là, si vous sentez une tension parce que vous êtes trop en arrière, là, mauvaise structure. Dos pété. Donc, encore une fois, c'est une histoire de bien se connaître et de bien juger la posture. Donc, voilà. Là, je suis bien structuré à l'épée longue. Ça va avoir un avantage. Donc, c'est un avantage structurel, c'est un avantage aussi en affrontement. C'est-à-dire que la lecture de la profondeur, c'est un des trucs les plus compliqués pour notre œil. D'accord? Et je vous assure que si je suis ici face à mon adversaire, que je lui mets une longue orte, donc une longue pointe, que je suis là, il va difficilement voir si ma tête elle est ici ou si ma tête elle est là. Sauf que ces 5 cm là que me donne Nengt, c'est les 5 cm qui me sauvent d'une pointe, qui me sauvent d'une frappe. Parce que là, l'esquive de tête, elle va être facile. Elle va être facilité. Ok? Donc, et ça rééquilibre le truc. Donc, ce qu'on va faire là, pour respecter ça, vous allez marcher et vous allez essayer de conserver. Donc, on associe D-Wag, on marche, vous essayez. C'est vrai que lancer des stops, vous le faites, de lancer des tailles, vous le faites, mais globalement, vous essayez de conserver ce buste légèrement en retrait. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais l'épée longue, c'est une discipline qui nous pousse à être fiers. Alors, pas fiers, orgueilleux, mais fiers en termes de posture. On sait tous ce que c'est que quelqu'un, on a tous mentalement l'image de quelqu'un qui est un peu fier, un peu hautain. C'est quoi? C'est le torse un peu bombé, les épaules larges, ouvertes. Le menton légèrement relevé. Ben bizarre. Quand j'applique D-Lengt, regardez comment je suis. Menton légèrement relevé pour un peu plus haut. Tout aussi parce que ma tête est légèrement en arrière. Et cage thoracique ouverte. Pour être capable de mieux faire mes transitions. Et surtout, d'avoir une bonne mobilité d'épaule et une bonne respiration. Ça, pas bon. Mauvaise respire. Pas de bonne possibilité pour faire la rotation. Ça, nickel. Okay. Donc à votre savoir personnel, faites des petits footwork et essayez de maintenir cette posture sur des frappes, sur des gardes, sur des changements. Ok? On essaie de maintenir ça, d'accord? Allez. La structure de l'épée longue germanique, c'est ça. Okay. Si vous appliquez ça, normalement tout le reste après, ben, ça va faciliter les coups de maître, ça va faciliter pas mal d'actions en finesse, ça va faciliter toute la gestion dans l'arbitre. L'arbitre, c'est la distance. Ça va aussi vous permettre d'avoir des formations de garde plus fluides. Ouais. Si vous appliquez ça, normalement vous allez être fort sur la suite. Je ne l'ai pas dit parce que globalement on est sur des initiés. Mais je vais quand même le rappeler, donc ça fait aussi partie de la base. Moi, quand j'ai des nouveaux chez moi et que je dois leur faire le B.A.B.A. de l'épée longue, bien sûr qu'il y a ça, mais avant ça, sur l'initiation, je leur dis à l'épée longue, il y a tout. Ces règles sont issues, c'est pas écrit tel quel dans le manuscrit, elles sont même pas écrites dans le manuscrit, mais en fait, ces règles, elles sont créées en dégageant les grands principes importants de l'épée longue germanique. Le premier, je l'ai dit à certains, je pense que vous l'avez déjà entendu, dans 95% des cas, c'est l'épée qui va la première et le corps qui suit. D'accord? On ne fait pas une action de jambe sans faire une action d'épée, sauf si c'est pour une retraite. On a le droit, je suis là, hop, je me casse et je m'abstiens de ça, oui. Pour être en retrait, oui. Mais pour une action offensive,
c'est d'abord l'épée qui fait quelque chose. Ce n'est pas forcément une frappe, ça peut être une unité minimale, le Dorsch, le Zucken, l'Amnemen, tout ça on va le voir après. Mais globalement, c'est d'abord l'épée qui fait le travail parce que c'est notre assurance vie l'épée. Okay. Et après, on va confirmer le pas ou pas. D'accord. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle, toute frappe doit être traversante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une bonne frappe, c'est une frappe. Tracez une ligne dans votre champ de vision, un point, okay, à hauteur de la tête de votre adversaire, et ce point, vous tracez une verticale dessus. Ben, votre frappe, quelle qu'elle soit, que ce soit une frappe, soit un mittelhaut, donc un coup purement horizontal, ou un zerge, ou un unterzerge, okay, un oberhaut, un zorg, ou un unterhaut, toutes vos frappes, elles doivent couper cette ligne. Okay. Si cette frappe ne coupe pas cette ligne, c'est une frappe qui ne vous met pas en sécurité. C'est-à-dire que les gens qui font ça, sont morts. Les gens qui font ça, ils sont morts. Et les gens qui frappent des trucs comme ça, ils sont morts aussi. Dès lors qu'il y a un boulevard devant vous, là, que vous ne voyez pas votre épée couper cette ligne virtuelle, eh bien, vous pouvez être sûr que votre coup, s'il est contré, vous êtes mort. Okay. Donc ça, c'est la deuxième règle. Une frappe doit couper cette ligne, cette verticale imaginaire dans votre champ de vision. Okay. Ce point-là, on va dire que ce point-là, c'est vertical. Si je le frappe... Alors, bonne frappe, ok, bonne frappe, je vais occuper le centre, d'accord. Mauvaise frappe, là, mon adversaire, il menace. Mauvaise frappe, j'ai pas coupé le centre. Là, je suis mort. Hein. Alors, ok, je lui fais, peut-être que je lui fais un genou, peut-être que je lui fais une jambe, super. Super, je suis mort, d'accord. Alors, je sais qu'on fait du sport, je sais que la martialité, c'est pas forcément quelque chose qui intéresse tous les pratiquants d'ailleurs. Je sais qu'on n'est pas là pour se tuer, d'accord. Mais à un moment, il faut garder un peu de cohérence dans ce qu'on fait. Et venir faire des frappes comme ça à la chaîne, alors qu'il y a une pointe là, c'est la mort. Ça n'a pas de sens. Donc on ne fait pas ça. Ok. Après, vous pouvez le faire chez vous en cachette. Je suis personne pour vous obliger à. Mais dites-vous que voilà, si la frappe, elle ne s'occupe pas du centre, vous êtes mort. Face à un combattant qui sait un peu, c'est fini. Ok. Et la troisième règle, qui est une règle qui dépend un petit peu de vos connaissances, c'est que idéalement, une frappe commence dans une posture et termine dans une autre. Quand je dis posture, c'est-à-dire une garde ou une posture connue, identifiée par un manuscrit. C'est pas juste parce qu'il faut qu'on fasse des postures parce que c'est joli. C'est pas ça le propos. Toutes les postures des manuscrits sont construites parce qu'elles ont une bonne structure. C'est pas juste de l'esthétique. Bien sûr qu'il y a dans toute intervention, il y a une partie art, une partie choix esthétique. Je suis d'accord avec ça. Mais pour le coup, si on regarde toutes les postures que les manuscrits nous donnent, eh bien, ces postures, elles sont structurellement bonnes. Ça veut dire que si je démarre un coup dans cette posture et je termine un coup dans cette posture, j'ai plus de chances de faire un coup qui sera clean, qui sera efficace, et j'ai plus de chances de me protéger aussi derrière. D'accord ? Donc quand vous faites des frappes, ben, quand vous finissez, essayez de finir dans quelque chose que vous connaissez. La garde sera la plus appropriée. C'est sûr que si je fais un mutara, je ne vais peut-être pas forcément me dire, ben, à la fin, il faut que je revienne tout le client en fougue, sauf si j'ai une menace. Et globalement, voilà, je fais un mutara, on fait une bœuf. Enfin, over, flou, long point, ok. C'est pas pour faire joli, c'est pas pour faire catalogue, hein. C'est vraiment parce que ça a une importance structurelle et une importance martiale, une importance par rapport à l'affrontement. Ça vous met en sécurité et ça vous assure de bien enchaîner les frappes et d'être offensif, en fait, d'être menaçant, d'accord. Ce qui nous amène à la transition parfaite pour parler des suspensions. Les angles. Je vais vous lire encore une fois le bout du manuscrit. Cette fois-ci, c'est du. Pardon ? En allemand. Ah, en allemand, non, j'ai mis en français. Hein. Après, je peux. Ah, dommage. Je peux, mais ça sera horrible. Hein. Alors, suspend, tourne aux ouvertures, frappe, attrape, taille et stock. Ça, c'est les deux lignes du Zettel, donc le récital qui nous parle des suspensions. Super, il n'y a pas grand-chose à manger là-dedans. Hein. C'est un peu bad. Le 3227A, donc aussi appelé Pseudo Doringer, aussi appelé Paul Hausbuch, le livre de maison de Paul, du docteur Paul. C'est le commanditaire du manuscrit. Pseudo Doringer, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment Doringer qui a fait la lecture pour l'écriture. Bref, ça c'est l'histoire du manuscrit. C'est un des premiers, si ce n'est le premier, de la tradition germanique. Ici, retiens et sache qu'il y a deux suspensions de chaque côté, une suspension basse et une suspension haute, qui te permettent de bien venir à l'épée. S'il advient que tu lis avec quelqu'un, ou bien si tu cherches à lui venir à l'épée, alors tu dois rester au fer, puis tu dois tourner. Et tu dois aussi demeurer à son épée gaiement, de bon cœur, hardiment, et sans aucune crainte. En outre, tu dois observer avec précision, discerner et escompter ce qu'il souhaite accomplir, ou bien voir la raison pour laquelle il n'entreprend rien contre toi. Alors, ça dit un peu plus que les suspensions. Là, ça nous parle un petit peu du foulon, du sentiment, du choix lorsqu'il y a un liage. Ça va un petit peu plus loin, mais la base, c'est les angles. Les angles, c'est quoi? C'est quatre postures. À pas confondre avec les quatre milieux, les quatre domaines, qui sont en fait quatre gardes qui rassemblent Flug, Ops, Albert et dernier, Volpac. Okay. Ça, c'est les quatre figures.
C'est pas les 4 en deux, pas pareil. Okay. C'est 4 postures qui sont aussi des gardes, qui sont aussi défensives, mais elles ne répondent pas au principe des angles. Les angles, ce sont 4 postures et c'est aussi un concept. Le concept, c'est quand tu te bats avec quelqu'un, surtout quand tu es à une distance d'arbitre. Alors, l'arbitre, c'est l'arbitre, c'est la distance, c'est-à-dire que 3 distances, on peut déterminer 3 distances dans la germanique. La première, celle-ci, sous fêche. L'approche. C'est la distance où je vais approcher mon adversaire. Dans le Zupechter, on en parlera aussi, c'est la distance où je vais commencer un peu à essayer de jouer avec son esprit. Ça, c'est la distance que Joachim Meyer adore. C'est là où il commence à mettre en place des choses, mais nous aussi, même si on ne fait pas du meilleur, c'est la distance où on est en train de planifier, on est en train un peu de voir les réactions. Ok, il bouge comment, il bouge pas, ok, je sais que c'est compliqué. Et après, on arrive dans cette distance-là qui est Arbalet. Arbalet, c'est la distance où les épées se touchent. Et là, je commence à parier avec des petites choses, etc. Ok. Dans la bike, une fois que j'arrive là, si je veux survivre, je ne vais pas venir en one tag. Parce que si je fais ça, je prends une pointe dans la bouche, je prends un gros or dans la gueule. Non, je ne fais pas ça. Non, je ne fais pas ça. Je peux le faire là, pour commencer à balayer là. Ok, faire du verfligun, de la voltige pour les meilleuristes. Ok, là c'est cool. On peut commencer à essayer de jouer avec son cerveau. Mais si j'arrive à une distance, à celle-là, la distance où il fait un pas et il étend bien les bras et me touche, là, il faut que je commence à considérer sa pointe. Donc je vais commencer à placer la mienne. Et c'est là où je fais les angles. Donc, l'angle 1, flou à droite, flou à gauche, ox à droite, ox à gauche. D'accord ? Avec à chaque fois cette idée que la suspension, c'est le fait que ma pointe, elle se balade sur son nez. Et tant qu'elle est là, il va se dire, j'ai pas trop le droit de faire n'importe quoi, si je ne la considère pas, je la mange. D'accord ? Donc ça, c'est le concept. Suspendre, angle, c'est je mets ma pointe en menace permanente. Comment je le fais? J'utilise les angles, du coup, les 4 gardes. Il y a d'autres choses. Hein. Longue pointe, on verra que ça, c'est, elle n'est pas dans l'angle, elle n'est pas citée dans l'angle, mais elle est citée dans le Sprechfenster, donc le parloir. J'ai du mal à dire Sprechfenster. Tu dis certainement mieux, vas-y, deux. Sprechfenster. Voilà. Vous voyez comment c'est dur, on dirait dans ce trompage. Donc le Sprechfenster, on verra, c'est un cas particulier dans l'arbitre, ça s'appelle le parloir, la conversation, ça a été traduit comme ça. C'est dans le Sprechfenster que la longue pointe est évoquée comme la meilleure des cartes. En tout cas, chez Nancy. Le texte, pas toujours le cas, la longue pointe elle a un peu coupé. On a tendance à dire c'est une création moderne, mais pas du tout. Elle est citée dans le Sprechfenster. Bon, l'angle nord, longue pointe n'est pas une angle, mais elle est intéressante pour mettre une bonne menace pour gérer le concept de suspension. Angle nord, j'en ai parlé, je ne sais plus à qui j'en ai parlé. Angle nord, c'est une garde qui existe, qui s'appelle la pointe suspendue, mais qui n'est pas une angle. Et là, c'est là où ça commence à faire chier parce qu'on est mind stocké. Angle nord, c'est ça, c'est une bœuf. Une box où la pointe est rabaissée légèrement sur le côté et où le plat de notre épée est offert à l'adversaire. Elle est présente chez Joachim Meyer, mais pas que, donc si on l'a dit aussi. Donc une angle nord, c'est ici. Et je viens approcher mon adversaire, mais ma pointe, elle n'est pas directement, je viens vers toi parce que tu as aussi ta tête, tu vois, elle n'est pas directement sur cible, elle est là. Et du coup, vas-y, mets-toi un peu à bord de la garde. En fait, ça, je lui dis, là, je le fais chier. Là, si je fais ça, là, je viens de passer en bas. Mais globalement, cette garde, elle est utilisée souvent pour faire une invite, c'est-à-dire qu'elle est embêtante, et qu'est-ce qui va se passer dans certains cas, c'est que mon adversaire qui va en avant, il va se dire, attends, c'est épais, je vais taper dessus, je veux la gérer. Là, c'est plus la gère, schnappel, boum, ok, ça, on verra ça plus tard. Mais comme la pointe n'est pas en menace, que c'est une invite, ce n'est pas une angle. Bon, comment on va se faire? Je vais vous donner un briefing fixe. Jambe gauche devant, moi, je vais tirer, donc moi, je vais prendre le clocher. On commence. Charrue, je vais mettre le profil si vous voulez. Pareil alors, maintenant qu'on a fait la base, vous savez, au niveau de l'ancrage, j'ai répété quelques fois, mais le but c'est que vous l'intégrez. Ouais. Ok. Ici, je suis charrue à droite. Alors, je regarde un petit peu vos charrues, parce que je sais que la charrue c'est une garde aussi qui est pas toujours bien comprise, qui n'est pas toujours bien faite. La charrue, l'idée, puisque c'est une angle, si j'ai un adversaire, ma pointe, elle est sous son nez. Ça veut dire que toutes les charrues qui sont comme ça, pas des bonnes charrues. Okay, vous avez le droit d'avoir les bras à divers écartements de votre bassin, puisque vous allez parfois faire une charrue pour repousser, mais globalement la pointe, elle doit travailler toujours au niveau du nez et la barbe de votre adversaire. D'accord ? Donc, charrue, pas ça. D'accord ? Et au niveau des mains, si vous regardez les iconos, au niveau des mains, vous voyez souvent que les mains sont situées ici, là. Parfois même, on a l'impression qu'elle repose sur la hanche. C'est pas qu'une impression, c'est que si vous voulez vous reposer en charrue,
mettez comme ça. Ok ? Lâchez un peu. Et bien sûr, après, on peut accentuer, on peut créer des invites, ça, on verra plus tard. Donc, flouk à droite. Je suis de pied fixe, je ne vais pas faire de pas pour vous montrer un truc important qui est la gestion du bassin, de verrouiller le bassin et de venir mettre le poids. Flouk à droite, flouk à gauche. Ok ? Là, j'ai tourné. Et là, ben vous êtes, il y en a qui naturellement sentent que là, ça va partir. Oui, quand vous êtes là, là, vous êtes en piston. Là, le poids, il est sur la jambe avant. Vous n'avez qu'une seule envie, c'est de pousser sur cette jambe avant pour venir mettre une estomac. Alors, ça, on verra qu'en fait, c'est constitutif d'une technique qui s'appelle abseptzen, qu'on va voir juste après. Donc, 1, 2. Je vais venir maintenant en buff ox à gauche. Et là, du coup, je vais venir maintenant en ox à droite. Et là, vous voyez que naturellement, je l'ai déverrouillé, je suis revenu en garde classique. Je redescends. Flouk droite, flouk gauche, ox droite. Vous venez d'accomplir le cycle des handguns en cadran. Vous pouvez le faire en croisé. Croisé, c'est comment ? 1, flouk droite, ox droite, flouk gauche. Et on revient. Okay. Faites-le quelques fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien sûr, vous ne devez pas être déséquilibré. C'est très stable, bien au milieu. C'est juste un jeu de hanches. Ça va. Si, c'est bien, vous avez tous fait la transition buff de bonne façon, c'est-à-dire en vissant. Souvent, quand je le montre, j'ai des gens qui me font une transition de buff à buff, ils la font comme ça. Ils font une frappe. Ça, c'est pas zverche. Le zverche, lorsqu'il est lancé d'une buff à gauche, nous amène en buff à droite. Mais c'est une frappe. On n'est pas en train de faire une transition. Quand je fais la transition, moi, sur l'angle, je viens visser devant moi. Ox à gauche. Je visse. Ox à droite. D'accord ? Ça va être la suite. On va faire maintenant avec le pas. Mais pour être un petit peu plus proche des angles, du principe de suspension et du coup être offensif, parce que là on fait juste un drill défensif, on va y ajouter de la pointe. Comment on fait ? Je suis en flouk à droite. Je viens étendre mes bras pour menacer de la pointe. Je fais comme si j'allais faire un restock. Ce faisant, je fais le pas, je ramène flouk à gauche. J'étends mon épée. Stock, j'avance, je ramène ox à droite. J'étends mon épée, les stocks, je ramène ox à gauche. J'étends mon épée, je fais le pas, je ramène flouk à droite. Ok, on fait des lignes et on fait ça. Souvenez-vous ce que je vous ai dit sur le slide, c'est qu'on est sur cette planche de voile et parfois on veut créer un équilibre. Parce que créer un équilibre permet d'avoir une explosivité de pas. Donc là vous faites un contrôle, c'est bien, vous êtes là, pointe, ok, pointe, ok, pointe, ok. Mais vous êtes encore très solide sur vos appuis, vous ne faites pas sortir en avant. Dites-vous bien que parfois il va, les 5 cm qui vont vous manquer sur une estoc, hein, c'est parce que vous n'avez pas assez. Vous n'êtes pas assez penché, vous n'êtes pas assez poli, d'accord ? Donc ce que je vous invite à faire, c'est essayer de vous mettre un peu dans la merde sur ce même drill. Donc plutôt que de faire de l'estoc contrôlé, vous allez dire et vous allez essayer de rattraper cette grande extension de bras, ok, avec un pas dynamique et du coup un retour en garde dynamique. Là, typiquement ce que j'ai fait, je suis en flou, je viens camper derrière très vite, ma buff, mon ox, ok ? Et du coup, je peux le faire, je suis là,
Donc essayez de vous mettre un peu dans la merde, pas forcément en sclant, mais juste sur des petites passes comme ça. Acceptez les équilibres. Ça s'appelle plonger les stocks comme ça, ça a un nom, ça s'appelle Shisen. Shisen, c'est, on va dire, c'est pas traduit par plonger, c'est traduit un peu par, c'est à la fois poursuite, mais ça a mis entre plonger les stocks et prendre les stocks pour suivre les stocks. C'est un terme un petit peu compliqué à traduire. Donc, je sais pas comment ils ont traduit les mecs de les polonais qui font cette espèce de réunion, on peut parler de ça. En littéral allemand, c'est comme tirer. C'est tirer les stocks, mais ça n'a pas assez de sens. Quoi. Tirer, on a l'impression de ramener quelque chose, alors que là, c'est étendre la pointe. Jeter la pointe. Vous allez par jeter la pointe. Quand vous êtes là sur l'armée et que je vous demande de jeter une pointe en déséquilibre, vous faites Shisen, vous projetez la pointe. Ce qui se passe, c'est que si je le prends de court, donc j'ai le vent, en général, Sofiane, là, s'il veut pas la prendre, il va devoir réagir à ça. Et souvent, il va reculer s'il est pris de court. Comme je crée un déséquilibre et que je suis projeté en avant, ben, selon la distance après derrière, c'est facile pour moi de faire une lutte. Mais il n'y a pas que ça. Je suis là, ok. C'est facile derrière. Si lui, il est en réponse, si lui, il est en retard et qu'il est qu'en réponse défensive, ben, moi, c'est fini. J'ai le vent. Et qu'est-ce que nous disent les Allemands quand on a le bord ? Continue de le frapper pour que jamais il ne puisse venir aller. Donc ça permet, même si c'est la première touche, même si c'est la première attaque, ne touche pas, dans 80% du temps ce sera ça, parce que c'est un mec qu'on connaît, c'est une base de construction. Mais du coup, bah, il faut jouer avec ce déséquilibre, parce que si je fais juste. Si je fais juste ça, bah super, il apparaît, et puis moi je peux revenir ici, mais globalement il apparaît, ok ? Parce que je ne me suis pas assez commis, j'ai pas assez pris de risques. Et il y a des touches, il faut prendre des risques. Mais attends, hein. si je suis en box. Ok. Alors bien sûr, c'est facile parce qu'on est en collaboratif, machin. En combat, c'est pas. Ouais. En combat, c'est pas forcément ça, mais bon, moi d'expérience, je peux vous dire qu'en général, quand le gars il est pris de court et que vous faites ça, si vous avez votre escrime dans les pattes, globalement le deuxième ou troisième coup il touche. Ok. Donc d'où l'importance de jeter. Mais on ne se jette pas n'importe comment, c'est ce que tu as remarqué. C'est-à-dire que si je viens. Je fais ma pointe comme ça et que je ne me couvre pas ou que je ne m'abaisse pas ou que je ne monte pas assez mon épée, ce qui va se passer, c'est que là, boum, voilà, Mouti run, d'accord ? Il vient m'avoir, nickel. Parce qu'en fait, ben, je ne me suis pas mis sous mon épée. Donc, on se met en déséquilibre et c'est là où vous avez le droit de vous coucher. Je vous ai dit, c'est important de ne pas être. Il ne faut pas s'écraser sur l'avant avec sa frappe. Là, vous avez le droit parce que vous êtes dans un déséquilibre. Ce déséquilibre-là, on a le droit d'utiliser, il faut le reprendre derrière. Donc, ceci. Toujours pareil. Donc, du coup, ben, comme c'est une pointe qui vient d'en bas ou qui est en haut, ben, je me couvre. Oh, je suis couvert. Okay. Et si je n'ai pas envie de lui rentrer dedans, aucune main tombée, absolument. Okay. Vous faites votre cuisine par rapport à ce que vous savez faire, par rapport à ce que vous aimez faire, par rapport aussi à la réponse de votre adversaire. D'accord ? Et du coup, vous allez me dire, ben, c'est super, mais comment on contre ça ? Parce que quelqu'un qui vient faire un chicelle là, qui nous jette sa pointe, si à chaque fois je suis pris par. Bah, je suis dans le nard, je subis ce qu'il me fait, à quel moment je stoppe ? À quel moment Sofiane là me stoppe dans ce déroulé d'escrime ? Eh bien ça tombe bien, il y a une technique. Cette technique, elle s'appelle Abscesseur. Et cette technique, elle ressemble en fait à ce qu'on vient de faire sur la hangar. Abscesseur, tu peux enlever le masque. Mais tu peux rester là aussi. Abscesseur, c'est quoi ? Abscesseur, ça veut dire écarter. Ok ? En anglais, c'est setting point. Okay. Je suis dans cette distance-là, ou même ça peut marcher quand je suis un peu moins loin, et mon adversaire décide de venir me faire un estoc, justement, très, très commis, comme ça. Je vais venir faire, ça c'est la première étape, à cette aide. Donc vous voyez, en faisant ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait, je suis là, il lance sa pointe, je viens passer en flougue à gauche, donc du côté où il y a la menace. Non, là, c'est en deux temps, normalement, ce qu'on fait là, c'est une pièce. Je suis là, vous tirez, boum.
Mais normalement, quand on est plus méchant, mets ton masque, je mets le... Ça, c'est en deux temps, et on n'aime pas les actions en deux temps. Après, là, il sait ce qu'il fait, il se couvre, il fait la bonne chose. C'est-à-dire qu'il a fait son estoc et il se couvre tout de suite en bœuf, parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, il prend une tête. Mais normalement, un asset zen bien timé sur quelqu'un qui est vraiment allé chercher l'estoc loin, ça fait ça. Non, c'est moi, j'ai pris trois. Vas-y. Vous le mettez direct la pointe. Hein. Donc en fait, vous l'attrapez de l'ordre de la pointe arrive, vous l'attrapez et vous le projetez en même temps. Si vous avez envie de confirmer, vous montez en ox pour bien le coincer, et vous n'avez même pas besoin, le simple fait, tu vois, même, regardez-le. Là, je suis en longue pointe, donc je triche un peu. Mais normalement, là, regardez, je vais faire une invite. Donc je vais faire un upset zen qui va être, pour le coup, plus impactant, parce que je vais me donner plus de marge de rotation. Je suis charrue, ox à droite. Et là, il se dit, ben, oh, il y a un boulevard là, là je vais les stocker, les gars. Donc il va rentrer là-dedans. Et là, du coup, entre faire juste ça et faire complète rotation de bras, je peux vous assurer que vous décalez plus fort. Donc après, c'est à vous de gérer. C'est aussi là où on commence à jouer avec le cerveau de l'adversaire. Je sais que quand je suis là et qu'il a sa pointe, il va vouloir y aller. Ben ça, c'est parfait. Si j'ai prévu ça, j'ai une bonne gestion de distance et une bonne explosivité au niveau du bassin, au niveau des bras. Ça, c'est upset zen. Donc vous allez mettre des masques et vous allez travailler cet upset zen là. Je me fais mes lacets parce que le deuxième, je vais vous montrer deux. Donc ça, c'est le premier. Ça marche bien sûr des deux côtés. Hein. Là, j'ai fait de flouga droite vers flouga gauche. Et si jamais. Ah ouais, je vais me mettre en plusieurs situations. Là, je me mets dans la bonne situation. J'ai le bon pas. Je suis ici. Je le fais en deux temps, normalement dites-vous bien que vous lui jetez direct dans la gueule. Hein. D'accord ? Mais si vous n'êtes pas sûr de votre précision, boum, boum. D'abord l'épée, ensuite la touche. On considère la menace avant de considérer la touche. C'est votre vie qui est en jeu normalement. Donc c'est d'abord gérer son épée avant de lui en mettre une. Mais si vous êtes bon, dans le même temps, c'est parfait. D'accord ? Maintenant je me mets dans la merde. Je suis ici, là. Ah, merde ! Là, c'est la bonne charrue, hein, on est d'accord. Jambe droite devant, flouga gauche. Bonne charrue. Là, je me mets dans la merde pour vous dire que ça marche quand même. Je suis ici. Hop. Ben là, vous êtes obligé. Et l'avantage de ça, c'est que vous êtes sûr d'aller très vite. Et si jamais il fait quelque chose, imaginons il décale. On va dans le ring gun, toujours pareil. Hein. Il y a une solution. Hein. Quand la distance raccourcit, on va dans le ring gun. Alors, je veux pas que vous favorisiez trop les réponses de lutte. Parce que lutter à l'épée, c'est un aveu d'échec. Je vous rappelle que ça s'appelle une épée longue. Ça veut dire que normalement, c'est une arme longue. Ça veut dire que normalement, on bat l'adversaire avant d'arriver dans la lutte. Okay ? La lutte, c'est un dernier recours. Et c'est souvent évoqué comme le dernier recours. Si tu ne peux rien faire, lutte. Et du coup, il y a les pièces. D'accord ? Mais l'épée longue, c'est une arme longue. Donc on essaie d'avoir l'adversaire dans le travail ou dans l'approche ou dans le travail. Donc dans le Zufechten ou dans l'Arbeit. La lutte, bon, bah, c'est... C'est le chaos, c'est l'aléatoire. On y risque gros. On y gagne beaucoup, mais on y risque gros. Okay ? Donc, mettez-vous dans la merde, mettez-vous du mauvais pied, quitte à vous forcer à faire un pas. Et deuxième upset zen, parce que là, je fais sur un estoc, d'accord ? Le deuxième, vous l'avez connu, vous l'avez certainement appris via la pièce de Zwerch, en fait, parce que le contre de Oberhof avec Zwerch, c'est en fait un upset zen. Je suis ici, encore une fois. Et là, Sofiane, il va venir me mettre une tête en haut à gauche. Hop là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vois son coup arriver. Je viens faire une buff. Et vous voyez, si j'avais fait le pas juste après, j'avais ma pointe. Là, encore une fois, je suis en deux temps pour les besoins de la sécu. Mais voilà ce qui se passe. Okay ? Donc ça, c'est upset zone avec une ox. Donc, je refais une situation. Jambe gauche devant, flug. À droite, il est stock. Le but, c'est pas de battre à l'épée. Hein. Attention dans le geste, vous venez intercepter, okay, avec votre plat, et vous étendez les bras. Donc là, mes bras sont étendus bien sur le côté, et ma pointe, elle est placée. D'accord ? Si je suis là, je fais ça. Non, pas bon. La flouga, elle tire sur le côté. Et la pointe, en gun, elle va vers sa tête. Ok ? De l'autre côté, ce sera pareil. Je suis là. Vas-y. Si vous avez envie de monter, à la fin, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez la faire la fin en bœuf ou en ox, en flou ou en ox, peu importe. Maintenant, il frappe
en haut à gauche, hop là, ok, et il frappe en haut à droite, hop là, ok. Allez-y, basque. Des points dans la gueule, je vais juste vous lire un petit truc et on repart juste derrière. C'est, là, je vous ai laissé faire un peu vos erreurs. Il y a certains groupes où je suis passé parce qu'on a eu des demandes. Et en fait, c'est une demande commune, donc je vais faire un brief global pour que vous puissiez. Je vais quand même lire la chanson de la clope. Apprends à faire l'écarté, taille et stock devant toi seront déviés. Qui font qu'elle stock à ton encontre, rencontre ta pointe et brise la sienne. À droite comme à gauche, intercepte-le avant ton pas. Là, c'est un petit point que je n'ai pas dit. Mais l'interception. C'est d'abord un geste de bras. C'est pas vraiment ça, comme je l'ai dit à certains, ce n'est pas qu'un geste de bras. C'est-à-dire qu'à Tetsen, c'est pas qu'une histoire de taille de biscotto, si c'était ça, ça serait nul. Comme on aime bien que c'est les gros costauds qui peuvent le faire. C'est pas que de là. La Tetsen, elle vient de votre rotation de bassin. Elle vient de la forme du corps. Okay. Comme je suis là, ce qui fait que je peux dévier, c'est pas tant que je viens. Avec les bras, parce que là je fais une action de fer, je fais un battement sur l'épée, c'est pas ça, je veux le garder, je veux pas le dévier, je veux pas qu'il rebondisse, je veux l'emprisonner. Donc il est là, il vient s'engouffrer, c'est ça qui me donne la force. C'est ça qui me donne cette force. Je sais pas, ouais, mes bras je les ai pas étendus, hein. Je les ai amenés en fougue. Normalement ce que je dois faire c'est de les étendre aussi, mais je vais quand même les plus. Après là je gagne, et là je suis solide, et à partir de là, là je suis avancé, je le suis, s'il recule, enfin s'il recule pas, il prend une fois. S'il recule, je le suis. S'il recule encore plus et que je ne touche pas, derrière, je vais faire une suite. Ok ? Bon. Donc ce qui compte, c'est cette rotation de bassin. Qu'elle compte. Et de là, en fait, le pas, pareil. Le pas, c'est un truc que vous allez adapter. Il y en a certains qui n'arrivaient pas à faire la tête parce qu'en fait, ils se retrouvaient avec leur épée au-dessus de l'adversaire. D'accord ? Et du coup, ils n'étaient pas stoppés. Et derrière, ça faisait une lutte. Bon. Mais si vous sentez que votre adversaire, il rentre très fort, vous avez le droit de faire un pas de retrait. Personne ne vous empêche de faire ça. Et du coup, vous allez faire en deux temps. Là, j'ai fait un pas de retrait, j'ai ma rotation de bassin, j'ai fait un petit peu. Là, je vais vous faire. Si jamais vous voulez vous rentrer dans la lutte, je suis là, vas-y. Là, j'avance. Là, bien sûr, hein, si ça fait ça, je le bloque, il va vouloir mettre un pommeau. Ne perdez pas de temps, vous mettez une opposition directe. Hein. Ok ? Toujours. Ah, donc vous avez le droit d'avancer, de reculer ou de le faire sur place. Parce que de toute façon, ce qui donne la force de l'écarté, c'est ça. D'accord ? Un petit truc que j'ai pas dit aussi. Alors je pense que vous le faites tous naturellement, mais c'est quand même un détail qu'il faut vous conscientiser. Quand on fait cette rotation de bassin, surtout pied fixe, le talon de la barrière se lève. Lève le talon, ok ? C'est ce qui me permet de visser. C'est ça qui me permet de visser. Si je le fais que comme ça, en fait vous allez sentir ce qui se passe, c'est que là, il y a le dos qui me merde. Là, il ne veut pas. Et là, du coup, si vous donnez l'inerte, pas bonne structure, là, je suis en train de temps, non seulement j'ai fait mal, mais en plus de ça, je n'ai pas de résistance en train de vous. Hop, c'est parfait. Petit truc aussi, pour vous dire que ce n'est pas qu'une force de bras, je l'ai fait avec les collègues. Ça va vous servir, ce fait de visser la hanche, là, ça va vous servir sur plein de situations. Je me mets ici, je me mets en longue pointe, pousse mon nez. Genre, pousse, tu m'écartes. Pousse, même si je résiste les deux bras, tu vas me pousser quand même. Je résiste les bras. Même si je résiste, vous voyez, il prend. Hein. Il arrive à ma. Je vais visser. Pousse. Mets-toi. Pousse. Ok. C'est pas ma force de bras. Hein. Alors après, là, je suis en train de me casser la gueule parce que justement, il a réussi. Il est en train de pousser. Pourquoi je me casse la gueule? Il a changé la dynamique. Il est venu pousser dans mon faible. Il est malin. Ok, mais là, globalement, à un liage égal médian-médian, globalement, j'ai mon poids du côté de son épée, je gagne, il faut pousser tant qu'il veut. Ok, donc ça vous donne de la force, c'est pas que ça. C'est ça, la force. La force, elle vient de là. Et c'est pas pour rien que de faire du gainage et des abdos.
Parce qu'en vrai, la vraie force à l'épée longue, bien sûr que les bras comptent, bien sûr que l'épaule compte, mais ça, là, la force d'un zwerch, hein, c'est ça. La force, la puissance d'un zwerch, elle vient de là. Elle vient pas de là. Je vous assure. Okay. Donc, du coup, je vous invite à re-essayer en prenant plus en considération cette rotation et du coup, en faisant aussi des actions où vous allez reculer, avancer, faire des petits trucs. Je vais vous poser une question qui est intéressante. On m'a demandé les multi-runs. Multi-run, ça veut dire, ça se traduit par mutation. Multi-run, c'est un changement de la pointe. Elle passe d'une ouverture haute vers une ouverture basse ou inversement. Multi-run, en fait, vous pouvez le faire. Multi-run, c'est le résultat pour se sauver d'un abzetzen qui n'a pas marché. Je suis là, il fait son estoc, je fais abzetzen. Mais je suis trop lent et là, il voit que je vais lui mettre à la tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter. Non, tu peux faire ça. Tu dois monter en bœuf. Il monte en bœuf. Multi-run. Ok, en prenant soin de le garder dans votre quillon. Ok. Multi-run, c'est une action en finesse qui est compliquée et qui, à vitesse réelle, il faut vraiment la sentir. C'est vraiment, il faut être vraiment dextre pour réussir à sortir un multi-run. Mais le multi-run, vous pouvez vous sauver d'un upset zone qui est raté. Parce qu'en fait, c'est une histoire de temps. C'est une histoire d'index. Ok. Il fait les stocks, j'écarte, je suis trop lent. Ou alors, il pré-shot. C'est-à-dire qu'après, il monte tout de suite en buff. Ben là, hop, multi-run. Mais j'ai envie de vous dire que globalement, si vous n'avez pas envie de prendre des risques sur multi-run, là il y a un truc bien plus simple. Je suis là, boulevard, qu'est-ce que je vais faire? Il y a plein de pièces. Hein. Ben, globalement, un mec un peu agile ferait une frappe en abzug, c'est-à-dire en déduction. Poum, on s'en va. Voilà. Un mec un peu méchant ferait un zwerch après. Alors ça, c'est une pièce. En gros, il est là, je vais venir pousser très fort avec mon pion et je vais mettre quelqu'un de méchant autrement pourrait venir, là je suis ici, là, à travers ça. On verra tout ça, mais c'est pour vous dire qu'en fait, à partir de là, tous les jeux naissent, c'est ce que je vous ai dit, tout naît de ce genre de situation. Et en fait, vous allez les voir, on va les voir et revoir dans plein de contextes, à plein de coups de maître, vous allez voir qu'on va retomber toujours sur les mêmes choses. Ok. Donc on repart un peu sur l'upset zone avec ses considérations de pas, etc. Vous pouvez tester aussi votre résistance avec la jambe en plancher et après on passe à autre chose. Ok. Allez, let's go. Il y a un truc, upset zone, ça a l'air super comme ça, ça a l'air super, ça l'est, je vous assure que ça fonctionne, que vous soyez compétiteur ou pas, ça fonctionne. Moi j'ai déjà eu des parisiens, j'ai déjà eu des parisiens qui m'ont lâché des flèches de l'espace à peu près de là où tu es et qui étaient capables de me la mettre. Qu'est-ce qui m'a sauvé la vie? Upset zone pied fixe et derrière, boum, il prend une tête, finito, j'ai mon point, tu vois. Donc ça marche bien, par contre, c'est faillible. Tout est faillible. Et la faiblesse de l'upset zone, c'est que si vous faites une erreur de distance, c'est marrant, hein, cet argument va fonctionner pour beaucoup de choses. Si vous faites une erreur de distance, vous êtes mort. Parce que, vas-y, juste donne-moi la longue pointe. Si je le piège, je l'invite à faire un upset zone et que je suis trop près, je peux vous assurer que là, quand il va lâcher son estoc vivace, vas-y, lance-en un, et que je suis trop lent, en fait, ça va pas me sauver. Hein. Je vais la prendre avant d'avoir pu faire l'upset zone. Donc, je vais me retrouver comme ça. Là, c'est la mort. Hein. C'est la mort. Là, j'ai pas de résistance. C'est terminé. Donc, du coup, c'est pas parce que c'est quelque chose qui demande d'avoir un bon ancrage et de faire une rotation de hanche qu'il faut attendre comme ça. D'accord? Comment on fait pour pas attendre comme ça? Je crois qu'on l'a vu. Vous voyez? Et là, du coup, en jouant comme ça, je lui donne mon épaule gauche, il la veut, il la veut pas, pas grave, je lui donne mon épaule droite, il la veut pas, ok, et puis à un moment donné, il veut rien du tout, c'est moi qui vais
armée. Et ça, c'est le truc que je voulais vous montrer. C'est-à-dire que cette mécanique-là, je vous ai dit, c'est fort. Ça vous permet d'avoir de générer de la puissance. Bah, du coup, si mon adversaire, il est mélancolique, comme dirait Pietro Monte, hein, s'il est timoré, s'il est timide, qu'il ne veut pas m'attaquer, il veut juste être là et me menacer, bah, du coup, je dis, ah, tu veux rien faire, ok, bah, moi, je fais. D'accord ? Ce n'est pas un chilao. Pour les petits malins qui pourraient me dire, dis donc, ce Tardio, ça ressemble à un chilao. Non, ce n'est pas un chilao parce que le chilao, il n'est pas battu comme ça. On verra le chilao, c'est un maître coup, on verra cet après-midi. Donc, globalement, ce que vous allez faire, ceux qui ont des plastrons, mettez-les, d'accord ? Parce que là, du coup, ce que je veux, c'est que ça soit plus dynamique. C'est-à-dire que là, on est toujours sur un exercice, mais on est moins dans la collaboration et dans l'attente. C'est-à-dire que il y en a qui va attaquer, il va attendre son moment pour attaquer. Okay, et celui qui défend, il a juste le droit de faire son upset zone. Mais du coup, ben là, c'est pas « Allez, on est parti, on y va, t'y vas, je fais. » Non, non. C'est « On est là, lui et lui, il va attendre. » Il va dire « Ok. Okay » bon, et moi, je commence, je me déplace. Okay, jusqu'au moment où lui, il va décider de mettre les stocks. Quoi. Il fait un petit « il veut pas. Hein. » Bon, ben s'il veut pas, hop. Donc, s'il met trop de temps à vous mettre la pointe, vous avez le droit de venir battre à son épée. D'accord ? Premier truc. Deuxième truc maintenant, parce qu'on va arrêter de faire en sorte que l'attaquant, ce soit un mannequin de bois qui prend tout dans la gueule, met ton masque. Il faut lui donner un peu une chance de survivre à ce partenaire de travail. Donc du coup, ce qu'il a le droit de faire, il a le droit de se barrer. C'est-à-dire que s'il voit l'upset zen venir, il a le droit d'essayer de s'enfuir. Et c'est là, on l'a fait un petit peu avec certains, c'est là où vous pouvez vous amuser un petit peu. Je suis là, boum, boum. Ok, il me fait les stocks. Là, il va-t'en, sinon tu prends. Il s'en va. Vas-y, gêne mon épée. À vous après de construire pour essayer de le piéger. Et là, c'est là où c'est important, et c'est ce que nous disent les manuscrits. Lorsque tu le lis avec ça, surtout, ne quitte pas son épée. Et ça, c'est un truc que je vais vous dire là et que je vous répéterai tout au long du week-end. On ne travaille pas en l'air. Quand on est en train de se battre, à ces distances-là, on ne travaille pas en l'air. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à aucun moment, sauf si on fait du zoukun, à aucun moment, si j'ai pris un liage et que ce liage reste à l'épée, parce que l'adversaire, il résiste, hein. Il ne veut pas cette pointe. Hein. Si j'ai pris un liage et que ce liage peut m'être positif, il n'y a aucune raison que je quitte. Parce que si je m'en vais, non mais, d'accord ? Le fait de lier à ces distances-là, c'est votre assurance vie. Et lui, tant qu'il a cette pointe qui se balade devant lui, ça le fait chier. Il n'a pas de jeu possible, à part d'essayer d'influencer sur votre épée. Et après, ben là, c'est là où on travaille dans l'Arbeit et dans l'Edelkrieg, donc le conflit, le noble conflit. On est dans l'Arbeit, c'est ce qu'on verra après. Donc, amusez-vous, je rappelle. Il y en a un qui est en train de faire ses Hangun. Okay. Le partenaire, il va choisir un moment pour faire son upset zone. Et puis bah, vous allez essayer de le faire, ils en fait un. Hop, vas-y, fais les stocks. Vous le contrez, et puis là par contre il a le droit d'essayer de s'enfuir, de se sauver la vie. Il essaye, et après à vous de trouver ce que vous faites quoi. Faites attention, hein. Si avec les bracelets vous n'allez pas lui mettre un grand coude, hein. on a encore une journée et demie à faire. Donc voilà, mais un petit peu plus dynamique, moins collaboratif. Et du coup mettez les plastrons pour ceux qui ont, je vous conseille. D'accord ? Il essaie pas d'attaquer, après son upset zone, après il peut essayer, enfin, si vous êtes à l'aise avec votre partenaire, vous pouvez, d'accord ? Mais idéalement, là, s'il rate son upset zone, il veut sauver la vie, donc il s'en va. Et vous devez maintenir un liage et essayer à partir de là de faire une frappe alentour, de faire une rotation, de mettre une pointe, etc. etc. Soyez créatif par rapport à votre répertoire. De toute façon, par après... Ah, s'il lâche le liage, ben... Alors, normalement, s'il lâche le liage, ça veut dire que tu as un boulevard. S'il lâche un liage, tu as le boulevard. Allez.
Bon, on va faire ma section préférée de... Ma section préférée de tout le programme, Arbeit. Même prêt, c'est ça la blague. Hein. Arbeit, de point, la boîte à outils. Alors, l'Arbeit, c'est un terme, du coup, comme je vous l'ai dit, ça veut dire le travail. Qu'est-ce que c'est que le travail dans la germanique? C'est ce qu'il se passe lorsque on est à mi-distance où les armes peuvent se toucher. Voilà. Là, on est dans le travail. Et en fait, cette notion, cette distance de travail, elle englobe une autre notion que certains connaissent déjà, c'est le Sprechfenster. Voilà. Sprechfenster, qu'on traduit par parloir, qui en fait, cet état où là, les lames se touchent, et selon ce qu'il fait, selon comment il me décale, selon s'il explose ou pas, je vais essayer de la voir par-delà son effet. Ça, ça a un nom aussi. Donc dans le Sprechfenster, on pratique ce qu'on appelle l'aile de Krieg. L'aile de Krieg, c'est le noble conflit. Le noble conflit, c'est quoi? C'est le contexte où en fait, je vais essayer par plusieurs gestes, comme nous allons voir, les Winden, donc les rotations, les Amnemen, les Durchwechseln, les Zucken, d'attraper une de ces quatre ouvertures, les quatre ouvertures, une ouverture en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche. Il y a quatre ouvertures, ok? Donc dans cet espace-là, ben, ma première considération, c'est son épée quand même, ok? Parce que là, on est dans une situation où les handgun sont présentes, il menace avec sa pointe autant qu'il peut, et moi aussi. Et c'est celui qui va être capable de menacer le mieux le plus longtemps, qui a priori va avoir le plus de chances de saisir une touche dans l'index, comme on a dit pendant le cours subsidiaire là, des gens qui buvaient leur café. L'index n'existe pas, donc l'index, hein, ça a été traduit trop longtemps, je dis bien trop longtemps, par le même temps. Et en vérité, aujourd'hui, si vous interrogez des gars qui sont pointus sur la germanique, ils vous diront qu'ils appelleront ça l'entretemps, mais pas le même temps. Parce que le même temps, ça donne une notion de simultanéité qui n'est pas réelle par rapport à l'index. L'index, ce n'est pas une simultanéité d'action, c'est le fait de saisir une opportunité à un moment donné. Il y a autant d'index qu'il y a d'opportunités. D'accord ? À chaque fois qu'une opportunité se présente à vous et que vous pouvez la saisir, c'est une opportunité d'index qui est entre-temps, au sens où vous la faites parce qu'elle va vous faire passer d'un état à un autre, souvent du nard dans le vore, si vous êtes bon, et parfois du vore dans le nard, si vous êtes fait avoir. Okay ? Donc ça, c'est le sujet global. Il y a des unités, ce que j'appelle des unités minimales, dans l'Arbeit, dans le Sprech, qui sont en fait des tout petits gestes qu'on nous met, qui sont souvent présentés à la fin des traités, après qu'on nous ait balancé à la gueule tous les Meisterhauts, les maîtres coups, qu'on nous annonce les pièces et tout, on se dit « Ah, la germanique, c'est ça !» Et puis après, derrière, tout plein de petits paragraphes où ça nous parle. Zucken, Absetzen, Durchwechseln, Ablofen, Abschneiden, qu'est-ce que ce sont toutes ces choses-là? Et on se dit « Oh là, les mots sont compliqués, moi j'aime bien Zornos, Verschau, Oschila ou tout ça, je vais rester là-dessus. » Sauf qu'en vérité, moi si je vous mets ça avant les coups de maître, c'est parce qu'en fait c'est ça, les briques minimales. Si on est dans une boîte de Lego, les coups de maître sont des belles pièces déjà montées, ok? Et ces pièces sont montées avec des petites briques. C'est les petites briques qu'on va voir là, ok? Donc, je vais vous en faire trois d'abord. Il y en a plein, mais on va commencer par les trois qui sont principales. La première, c'est Durchwechseln. Durchwechseln, alors on va faire des moyens mnémotechniques. J'en ai un qui fonctionne bien depuis longtemps. Le Durchwechseln, il y a un U dedans, d'accord? L'action qu'on fait à l'épée quand on fait un Durch, on fait en fait... Ça c'est un Durch. On peut le faire de bas en haut et de haut en bas. Souvent le Durch, on le considère... Ah oui, le Durch existe des deux côtés. On pense que en Durch en haut, c'est Abnehmen, mais c'est pas vrai, c'est pas les mêmes gestes. Okay. D'accord? Durch, tu liras okay. Dobringer. Durch, ça se fait par-dessous, par-dessus. D'accord? Pour les modernistes, c'est une cavation. Ouais. Pour ceux qui font de la moderne, ça s'appelle une cavation. Alors, ça c'est un Durch. Ça permet donc de quitter le liage et de le reprendre, ou juste de quitter, venir mettre une manchette, de repartir. Par exemple, si vraiment on est des salopards et qu'on essaie d'avoir des manchettes, là, qu'on est vicieux, on va tailler les mains, voilà, ça peut marcher. Bon, à quoi ça sert le Durch? Normalement, quand je suis dans le liage avec mon adversaire, je ne Durch pas juste pour le plaisir de faire ça. Alors, il y en a qui font ça, hein. ils ont la gigote, là. Ils font ça pendant 1000 heures, et puis à un moment donné, ça énerve le collègue, et puis lui, il va juste me mettre une grosse pointe, il va me bloquer, vas-y, je fais ça, il va tirer, et moi, je vais la prendre parce que je n'ai pas pensé à faire mon Absetzen. À quoi ça sert normalement? C'est-à-dire qu'il faut le composer. Je suis ici. Imaginons que maintenant, il me pousse. Je décroche. J'ai fait un Durch. Donc, je réagis au fait qu'il soit fort au liage. Il me décale. Hop. Et là, par contre, si je fais ça, bien sûr, il ne faut pas juste faire ça. Le Durch,
c'est un micro-geste, c'est une unité minimale. Ça ne me permet pas d'avoir une touche, ça ne me permet pas de le toucher derrière. Si je fais d'ourche, il faut que je l'associe à quelque chose. Hop, là, bah, du coup, Fissen, par exemple. Excuse-moi. Fissen, d'accord ? J'ai fait d'ourche, j'ai pris l'ouverture, boum, je vais lui mettre un truc. Alors, le problème de ça, c'est que, toujours pareil, hein, je vous ai dit, un truc qui est très important, ne travaillez jamais en l'air. Et encore plus quand on est dans ce genre de situation. C'est-à-dire que dès lors que mon épée est libre, ça veut dire que la sienne aussi. Hein. Donc, si on joue de vitesse, oui, je vais pouvoir lui faire ça, mais lui aussi. Okay ? Et ça, c'est emmerdant. C'est emmerdant parce que ça fait des doubles et c'est dégueulasse. Donc du coup, ne travaillez pas en l'air, ce qui veut dire que même si on fait des actions qui quittent le liage, elles sont là pour nous donner un autre liage qui lui va être positif. Donc dans l'exemple que je vous ai donné, où j'ai fait ça, ça c'est pas un super exemple. En tout cas, si je reste là, c'est pas un bon exemple parce que là, boum boum, j'en prends une. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire? Souvenez-vous ce que j'ai dit, règle numéro 3, quand quelque action qu'on fasse, on doit terminer dans une posture qu'on connaît. Est-ce que ça c'est une garde? Non. Ça c'est une garde. Ça, c'est une garde. Donc, si je veux faire mon dourche et qu'il soit efficace, je vais effectivement venir stocker. Hop. Et je vais tout de suite prendre une garde. Parce que si son épée, elle est libre, même si je touche, moi, je suis mort. D'accord? Donc, ça, c'est super important. Donc, ça va être un des premiers exercices qu'on va faire. Premier truc, je vais vous demander de faire. Vous allez être au mode de la pointe. Vous allez être là. Vous allez décrocher. Vous allez venir soit directement tout droit pour mettre une estoc, soit vous allez tout de suite faire la rotation pour la mettre. D'accord? Ça, c'est vous qui allez voir. Vous allez voir que. Selon certaines situations, vous n'avez pas arrivé à mettre les stocks. Si vous restez très longtemps, là, il a amorcé le contre. Je suis arrivé là, je suis arrivé tout droit. Là, s'il fait ça, si je ne fais rien, là, c'est fini pour moi. Là, j'ai pas de force. Hein. S'il pousse, là, mon poignet est cassé. Terminé. Ne combat pas en haut à gauche, tu seras boiteux. C'est ce que dit Lichtenauer. Si tu es droitier, si tu es droitier. Forcément, là, s'il m'écrase la main, il fait tourner ma main. Qu'est-ce que je fais là? Si je suis à distance, je vais lui mettre un pommeau, mais ça ne marchera pas. D'accord? Donc ça, faut éviter. Faut éviter. Donc si jamais vous êtes décalé, on verra la suite, mais globalement, dans un premier temps, soyez un peu gentil avec vous. Bah, si jamais il fait ça, bah, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je le double. Redourche. Voilà, dourche et redourche. Donc, tant que ça fait juste que décaler, parce que là, globalement, il ne me remet pas la pointe. Hein. S'il fait ça, que je fais ça, qu'il me décale, la pointe, elle n'est pas placée là. Bon, hop, et j'ai toujours l'avantage. Alors, ça demande d'être pas trop loin, parce que si je suis trop près, je ne pourrais pas dourche. Et on verra la suite. Le dourche, ça se fait quand vous êtes lié par le médian. Je ne peux pas dourche par-dessous sa garde. Okay, si je suis en train de le travailler dans le fort, là, je ne vais jamais pouvoir douche, hein, dourche. Si je le fais, de toute façon, ça va être trop loin pour moi. Et là, il va me mettre une estoc. D'accord? Donc, le dourche, ça se fait autour du médian. D'accord? Et après, boum, on essaie de travailler, on essaie de transitionner. Et s'il ne se passe rien, on s'en va. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas s'entêter sur une touche qui est contrée. Hein. Ça, c'est une mauvaise idée. Donc, première action de dourche. Deuxième action de dourche. C'est ce que j'appelle tirer une charrue. Alors, en gros, je veux l'ouvrir, je suis ici. Je fais mon dourche et je vais le reprendre très vite ici. Okay? Donc en gros, ce que j'ai fait, j'ai construit une flougue. Okay? C'est comme si je faisais un abcès de scène, hein? Parce qu'en fait, je viens charger mon poids sur ma jambe droite et créer un mur. Je suis ici. Hop. Là, du coup, hop. Et s'il recule, aucune, et qui me décale, je suis, vas-y, décale-moi. Pam, allez, fini. Ok. Donc ça, c'est deuxième exo. Vous faites votre dourche, et vous allez venir essayer de tirer son épée. Alors, ouais, je n'ai pas fait toujours le même pas. Là, le pas, vous allez choisir. Selon ce que vous faites, vous allez soit l'écarter plus, soit rentrer plus fort. Forcément, je suis ici, je choisis de faire ça. Là, j'avance sur lui. D'accord? Je menace fort. Parce que j'ai avancé, jambe gauche, tout droit. Mais je peux choisir, alors bien sûr, ça va dépendre aussi de quelle jambe j'ai devant. J'ai jambe gauche devant. Ok. Là, je latéralise, là, je pousse un petit peu plus. Ok. Ça, je suis moins présent. Ce qui fait que ça va m'exposer au fait qu'il me décale. Mais s'il me décale là, bah, vous voyez tout de suite que, ah, on est sur un sverge. Et qu'est-ce que j'ai dit? On ne travaille pas en l'air. Ah, cette épée, là, je ne la veux pas. Donc, on essaie toujours de la considérer. D'accord. Le dourche en haut, ça sert à quoi? Ça va vous permettre de venir, en fait, faire la même chose. Voilà, je suis bourré. Vous montez et vous attrapez par-dessus. Et là, c'est là où il y a des jeux où vous allez pouvoir envoyer des faux tranchants. C'est pas un compao. On n'est pas encore sur un compao. Ok? Donc l'idée, voilà, avec ce genre de dourche-là, je décale, je vais essayer de frapper derrière son épée et de poser ma pointe. Et après, vous pouvez les enchaîner. Je suis ici, je monte, il vient la parade, hop, hop. Ça, on verra plus tard. D'accord? Parce que là, j'ai mis une rétraction en plus. Donc juste jouer comme ça avec le dourche. Le défenseur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous gêner. Mets-toi, vas-y.
Okay. Toujours dans cette distance-là, je te pousse, tu dourches, je te pousse, tu dourches. Et à un moment donné, tu vas plus tirer, voilà, tu vas choisir, voilà, et là boum. Okay. Soit tu choisis de m'écraser comme ça, soit tu choisis de tanker avec une flougue et de faire un upset zen en fait. Ok ? Tranquille, on teste ça, et masque bien sûr. Bah, le défenseur, lui, alors, moi je suis, donc c'est lui qui va faire les dourches. Moi je suis ici, j'appuie, il dourche. J'essaie de le reprendre, et à chaque fois que j'appuie, en fait, il dourche. Voilà. Jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de me bloquer. Et après, il fait sa touche. Et que, par contre, quand il crée une touche comme ça, vous mettez la difficulté, c'est-à-dire que là, il a fait l'étape 1. Il m'a touché. Qu'est-ce que je vous ai dit ? On ne travaille pas en l'air. Donc là, le truc, c'est effectivement d'être capable de revenir à l'épée, même si elle est en bas, parce que là, c'est une jambe gratos. Ok ? Donc, il faut bien sortir, il faut bien construire sa sortie de touche, ce que les meilleuristes appellent abzug, le fait de se déduire de l'affrontement, soit en reculant, soit en dépassant notre adversaire sur un de ses côtés. Ok ? Allez. C'est une action en finesse. Alors, je sais que finesse, hein, bon, c'est les Allemands, c'est une finesse allemande, mais c'est de la finesse quand même. Quand on le fait, c'est un geste minimal, c'est-à-dire très peu d'engagement de corps. Je suis ici, j'en ai vu qui me faisaient des dourches exagérées, qui sont là, qui font un grand geste de bras, un geste d'épaule, pas des grands dourches, ok ? Alors, oui, vous pouvez le faire, mais en fait, vous n'êtes pas en train de faire un dourche fin, vous êtes en train de faire une action qui derrière va être un kung pao ou ce genre de choses, d'accord ? Le dourche, c'est une action fine. Ça veut dire que ce qui travaille en fait sur le dourche, c'est votre main arrière. Okay ? Et le but, c'est que vous soyez capable de faire ça. Okay ? C'est tout. Hein ? Regardez ce qui travaille, c'est ma main gauche. Je plonge en dessous, je vais par-dessus. Okay. En essayant bien sûr d'être relaxé, parce que on a tendance à trop se gainer, et du coup, c'est pas bon. Donc, okay. Après, à un moment donné, bon, vous allez en chier. Okay ? Si vous avez envie, ensuite, si vous avez besoin de mettre de la force, vous allez la mettre sur la deuxième étape, c'est-à-dire, là, je te dourche un petit peu, là, maintenant, je prends le liage, boum, boum, ok ? Boum, taille par-dessus, d'accord ? Mais le dourche à la base, c'est vraiment une petite action, d'accord ? Pour les stocks, c'est vrai que, bon, après, vous avez tous un petit peu été en free, c'est-à-dire que, globalement, vous avez tous un peu de bouteille, donc vous m'avez fait déjà des Winden, vous m'avez fait déjà des Zuken, donc des rétractions, des retractions, normal, des retractions et des rétractions, c'est normal, c'est logique, ok ? On va y venir étape par étape. Mais du coup, si je reprends mon exemple avec les stocks, dites-vous bien que quand vous passez en dessous, là, vous avez deux choix. Soit vous venez direct comme ça, et puis après vous transitionnez. Soit ce que vous pouvez faire, c'est tout de suite faire ça. Ça, je ne l'ai pas trop vu, parce que vous avez tendance à être très droit et à monter les mains très très vite. Prenez le temps. Donc, globalement, quand je fais là, encore une fois, soit je viens l'écarter avec une flougue, d'accord ? Donc là, je suis là, je fais mon tour, hop ! Et là, vous voyez bien que qui c'est qui est embêté là, dans cette histoire ? A priori, il est obligé de monter les mains. Ah, il monte les mains très fort. Oh, alors là, vous savez ce qui se passe. Hein. Là, il se passe plein de choses. Mais globalement, je vais être meilleuriste. Je vais faire une déduction. Donc, je vais faire un abzug. Pan ! Une main, je m'en vais. Ou un coude, je m'en vais. D'accord ? Et on n'en parle plus. C'est fini. D'accord ? Si je suis méchant, je le rentre dedans. Je le fais chavirer, etc. etc. Okay ? Mais du coup, il faut prendre le temps. Le dourche, ça permet de construire des choses comme ça. Vous pouvez tout à fait dourcher d'une garde à l'autre.
C'est pas juste je vais en dessous, je vais au-dessus. Non, non. Ça permet de libérer les mains pour venir faire autre chose. Et après, regardez, là je fais ça, là il voit. On construit ensuite, d'accord? Là, j'ai fait des dourches, c'est juste que ces dourches me permettent de passer d'une garde à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Longue pointe, dourche, floug, il la voit, dourche. Qui c'est qui est dans la merde, là, selon vous? Encore une fois, hop. Ah. Il fait schnappen, c'est le bon choix, ce qu'il a fait. On en parlera après. Mais vous voyez, il ne faut pas juste faire des hauts et des bas, non. Ça permet d'aller d'une garde à une autre, idéalement d'une handgun à une autre, d'accord? Donc, ce que vous allez essayer, je vous montre un autre truc, vous allez essayer de refaire, mais juste en étant plus propre sur vos gardes, juste en changeant de garde. Vous n'allez pas forcément à la touche, mais je vais vouloir changer de garde. Et du coup, ça fait des feintes infinies. Comment on contre un kumpao, brisure, selon Ringek, de Ox, d'accord? C'est-à-dire que si je suis en garde, on verra de toute façon tout à l'heure, si je suis en garde du bœuf, de Ox, ce qui contre la garde du Ox, c'est un krump, ok? Bah, quel est le contre du contre? Je suis ici, mon adversaire vient faire un krump sur ma lame, je descends, je fais un dourche. Okay. Donc du coup, bah, vous feintez, je suis là, non mais mets-toi, on fera plus tard le krump. Je suis ici, hop. J'ai changé de garde, j'ai rien fait, hein. Mais je peux vous dire que lui il panique. Hein. Okay. Et bah ça, du coup je suis en train d'imposer mon rythme. Et à un moment donné ça va partir, il ne sait pas quand. Alors, on parlera de la feinte aussi. Feinter deux, trois fois, c'est pas bon. En général, une feinte, il ne faut pas en prendre. Là, je commence à avoir envie d'envoyer. Parce que normalement, ce qui va se passer, c'est que si vous l'acculez comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il vous lâche une pointe dans la gueule et c'est fini. D'accord? Donc, on a le droit de jouer avec l'esprit de l'adversaire, à lui mettre un peu dans des situations un peu de panique. Mais dites-vous bien que la panique amène des actions de panique. Quelle est l'action de panique de tout escrimeur avec une épée longue? Il te met une pointe dans la gueule. Il attend comme ça. Tiens. Donc, attention, c'est bien de s'amuser comme ça, mais à un moment donné, il faut s'imposer. Donc, il faut alterner entre je travaille en l'air. Mets ton masque. Entre je travaille en l'air, je le laisse un petit peu libre, et à un moment donné, je m'impose. Il faut s'imposer au fer. Je m'impose dans le rythme avec mes petites feintes, mes machins, mais après, il faut que je m'impose au fer. Donc, je suis là, ok. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Ok. Je fais encore. Bon, là, j'ai mis plus de choses, mais justement, on va passer plus de choses. Juste, allez, 30 petites secondes, vous essayez de feinter, de faire des dourches, mais pour vous amener d'une garde à l'autre. Pas juste de passer en dessous et puis renvoyer dans une pointe, ok? Plus de jeu de garde. Une trentaine de secondes, après on passe à la suite. Imaginons, j'ai un adversaire qui fait une parade panique. Donc il fait une mauvaise parade. Donc qu'est-ce que c'est une mauvaise parade? Ben, une mauvaise parade, c'est qu'elle est près du corps, la pointe est vers le ciel. Mauvaise parade. Je le frappe, il n'a pas le temps, il fait une mauvaise parade. Bon ben, si je suis là, qu'est-ce qui se passe là? Je fais un dourche. Hein. Hop, hop. Ok. Dès lors que vous voyez quelqu'un qui fait une parade très, comment dire, très loin du centre avec la pointe qui n'est pas devant, donc pas une charrue hein, du coup, une mauvaise parade, là, hop, on se faufile, on lui met un. Hein. Il n'a pas le temps de réagir. Hein. Il peut essayer de venir charger un upset sun. Si vous êtes à bonne distance, il va être coincé. D'accord? Donc c'est aussi à ça que ça sert le dourche. Deuxième geste, on le fait naturellement. On le fait naturellement. Vous l'avez tous un peu fait. Zuken. Zuken, c'est la rétraction. C'est le fait de ramener les bras. D'accord? Moyen mémotechnique, Zuken, il y a un Z. Donc imaginez, vous voyez le Z, on va le faire dans. Je le fais à l'envers. Je fais une frappe, je ramène mes bras, je refais une frappe. Ok, ça Zuken. Donc Zuken, c'est l'idée de
je ramène pour repartir. C'est réarmer, en fait. Ça nous permet de réarmer, d'accord? Et il y a une phrase qui est assez cool dans les manuscrits, c'est « Utilise le Zuken à n'importe qui souhaite te lier, ainsi tu pourras vaincre les maîtres. » En gros, ça dit quoi? Ça dit que donc les maîtres sont les experts du liage, en vérité. Dès lors que quelqu'un veut lier avec vous, qui veut influencer, a priori, il veut influencer sur votre épée, ok? Donc il est en train, voilà, il veut influencer sur mon épée, il fait des dourches, il me décale, ok? Et moi, si je reste là, vous voyez que là, je subis, ok? Mais ça, j'en ai marre, je veux pas ça. Hop, et tu dis quoi? Et là, du coup, il travaille dans le vide. Et là, du coup, c'est plus aussi simple, parce qu'il fait des dourches, mais un dourche sur deux, il a pas ce qu'il veut, il a pas mon liage. Et moi, du coup, par contre, ça me donne de la manœuvre pour lui en envoyer une. Et du coup, il va être obligé de, ben, en fait, là, je suis en train de reprendre le vore, c'est-à-dire que il me travaille, vas-y, travaille mon épée, machin, ok, il me décale, j'en ai marre. Vous voyez comment il est là? Ben ça, je peux vous assurer qu'à un moment donné, si vous le faites perdre comme ça, ben lui, il est en train d'en faire une dépense énergétique beaucoup plus grande que vous, et vous gérez juste en distance. Je te donne ma pointe, hop, puis on est, je te la donne, hop, ok. Alors, bien sûr, on va pas faire que du Zuken, il faut savoir être capable de lier les deux. L'avantage avec le Zuken, c'est qu'il donne une solution à un dourche qui ne pourrait pas marcher. Je m'explique. Pour que le dourche fonctionne, il faut avoir peu d'épées engagées derrière l'épée de l'adversaire. Si je suis là, je ne peux pas dourche. Déjà parce que je suis trop près. Et regardez toutes les épées que je dois faire. Donc si je fais ça, pan, fini. De la même façon, hein. Si je fais ça, le temps que je monte là, pan, terminé. Parce que je ne peux pas dourche, j'ai trop d'épées engagées. Qu'est-ce que je fais pour avoir moins d'épées engagées? Ah! Maintenant je peux dourche. Ok? Donc ça permet, le zuken, la rétraction, permet d'influer le point de liage. Si je suis lié dans le fort et que je ne veux pas, je rétracte. Si je suis lié dans le faible et que je veux sortir, je m'en vais. Okay? Et après, si je veux faire des effets de froissé, par exemple, l'effet de froissé, il va être fait avec une mécanique de zuken. Je suis là, je reviens. Okay? Ça c'est un froissé d'esprit moderne, c'est le fait en fait de... Je le suis là, et puis d'un coup sec, je vais venir faire ça. Okay? C'est un froissé en esprit moderne. Mais le Zuken permet de faire ça. Mais le Zuken permet aussi de faire, parce que là c'est un peu bateau, ok? Ce que je vous montrais tout à l'heure, quand je suis ici, imaginons j'ai fait une frappe là, il part, ok? Ben, je pourrais faire ça. Ça il va le voir, ben, il va parer encore, vas-y. Et je pourrais faire ça à l'infini. Bon, mais à un moment donné, moi je peux vous assurer que là, ça commence à congestionner, c'est une dépense énergétique aussi. Par contre, regardez, si il sait que, imaginons, je l'ai formaté mon adversaire là, je l'ai fait... Plein de zverges, plein de menaces en bœuf. Bon, bah, à mon moment donné, regardez. Qu'est-ce que j'ai fait? Sur mon zverge, j'ai fait une rétraction. Et en fait, c'est valable pour plein de coups. Vous pouvez faire des rétractions d'Oberau, des rétractions d'Unterau, des rétractions de Zorn. Rétraction de Zorn, typiquement, je suis là. Là, je vais envoyer un gros Zorn. Hein. Non! Ok? Ça doit être rapide. C'est le fait d'avorter sa frappe d'une certaine façon. Ok? On réarme et on avorte la frappe. Donc, si maintenant on ajoute tout ça, dans le même exercice, je suis ici, ben j'ai maintenant à ma disposition le dourche, et si jamais, imaginons, il m'écrase, je me retire, je reviens dans une angle, j'ai solutionné ce problème-là aussi. D'accord? Et après, je peux repartir sur une frappe. Donc, c'est la deuxième unité minimale de la boîte à outils pour l'Arbeit. D'accord? Donc, on va faire la même chose, pas très longtemps, parce qu'on commence à en bouffer du truc, hein. Mais cette fois-ci, vous avez le Zuken. Donc, toute action, si vous êtes trop loin, hop, je ramène. Ok? Et je reprends, on combine, hein. Hop, 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 hop. Ok? Je vais essayer de jouer comme ça, tranquille. Allez.
Donc bien sûr, quand on est en t-shirt, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire qu'il faut faire attention sur les points de sécurité. Ça veut aussi dire, normalement, si on n'est pas des débiles, que ni lui ni moi n'allons se jeter l'un sur l'autre en se mettant une énorme pointe dans le bide. Ce qui fait que ça calibre l'exercice. On est sur un exercice, on n'est pas sur un combat. Dès lors qu'il y a des règles comme celle-ci, seulement les mains, seulement la tête, bien sûr que ce n'est pas un combat. Bien sûr que c'est un exercice. Mais cet exercice, il va en fait centraliser tout ce que j'ai besoin de vous montrer sur pourquoi c'est important de gérer avec ces unités minimales. Sachant que j'en ai encore deux à vous montrer dans le panel. Donc, on y va. On a le droit de commencer loin, par contre. Bien. Bien. Voilà. Oh, pas mal les gars, tu m'as eu quelque chose. Bon, bien sûr que ça bute, hein, c'est cardio. Mais si vous regardez ce qui se passe, c'est que comme lui aussi, il a bien réussi. Hein. C'est-à-dire qu'on fait des demi-actions. Je dors, je prends une garde. En fait, non, je transforme en coup, mais en fait, non, je la rétracte. Il y a plein de moments, on était là. Et on se dit, ils font quoi ces abrutis? Pourquoi? Parce qu'en fait, il voit que je bouge comme ça. Du coup, il annule son coup. Du coup, j'annule le mien. Du coup, je fais un dorsch, etc., etc. Et parfois, ça ressemble à des deux gars. Ils agitent et on ne sait pas ce qu'ils font. Mais en vérité, on sait ce qu'on fait. On est sans cesse en train de réagir à l'action de l'autre. Okay, enfin, de s'adapter à ce que nous propose l'autre en termes de liage. Voilà. Parler et faire ça, c'est... Voilà. Bon, bien sûr, je ne vous demande pas de faire cette exercice-là, mais globalement, si vous entraînez suffisamment avec ça en tête, vous y arriverez. Je ne vais pas vous demander de faire du sans masque, sans gants, pour faire du show-off, mais en vérité, si vous respectez les distances, la sécurité, que votre seul but, c'est de gérer la lame adverse, sans aller à la touche, mais en fait, vous êtes capable de faire ça. Ok, si on on va le faire. Comme ça, j'aurai encore plus de problèmes. Enlève tes gants, pose ton masque. Hein? Sinon, tu fais pas. Loïc, il a l'habitude, si tu veux. Je veux bien tester. T'as jamais fait, toi? Bah, vraiment, sans masque ni rien, j'ai jamais fait. Ouais, on va faire. Il faut bien... Après tout, ça a été mon œil, il faut bien qu'il... On n'a pas de masque, on n'a pas de gants. On est à poil. Bien sûr qu'on ne va pas se toucher. Le but, c'est pas de se toucher, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se discipliner un petit peu, c'est-à-dire qu'on va travailler comme ça. On ne va pas forcément travailler en vitesse, mais en gros, je vais le gêner, je vais le menacer. Voilà. Et à aucun moment, par contre, on va exploser sur la vitesse. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas... Si je prends une accélération, c'est là où il y a le risque. C'est-à-dire que si je change ma vitesse subitement, c'est là où il y a un danger. Parce que je vais lui mettre ma pointe sans qu'il le voie, ou je vais le faire au moment où il avance, et ça va nous mettre en danger. Non, le but, c'est une conversation. Je te décale. Ah, tu reviens. Ok. Voilà. Là, tu m'avais, par exemple, tu vois. Je pense sur la vitesse. Vous voyez, là, il m'avait. J'ai pas besoin de faire plus. Il a pas besoin de faire plus, je l'ai compris. Je suis revenu ici, son épelle était là. Il m'a, en fait. C'est pas parce qu'il m'a pas touché qu'il m'a pas, je le vois, je le constate. Je serais très orgueilleux de croire que non. Et de lui dire, là, tu m'avais pas vraiment parce que je serais allé à la parade. Non, c'est pas vrai, il faut accepter. Et grâce à ça, je peux travailler. Je peux dire, ok, quelle a été mon erreur? Mon erreur a été d'aller trop loin sur le côté. Voilà. Et à partir de là, vous analysez autrement. C'est-à-dire que là, comme on ne va pas à la touche, on n'analyse pas le fait de toucher ou pas. On analyse la gestuelle, on analyse le déplacement. D'accord? C'est que de la lecture. Et l'avantage aussi, petit truc, c'est que comme on a peur pour sa tête, on va avoir tendance à travailler comme ça. Bizarre, hein? Est-ce que c'est pas mal de travailler comme ça par hasard? Si. Pourquoi? Parce que c'est l'application du principe de Knight. Donc du coup, on est là. Hop, on termine loin. Ok. Voilà, tu as vu. Voilà. Pas besoin de faire plus. Et si jamais je vois que je l'ai eu, je lui fais, en général, lui le voit aussi. On dit, tu vois, ok, on met. Pas besoin, il ne faut pas s'entêter, il ne faut pas continuer. Je l'ai touché, il a été battu sur une action. On se remet, on repart. Parce que si on continue,
alors que je suis passé à ça de sa gorge, ça veut dire que globalement, il est en train de perdre le fil du truc. Du coup, on remet à zéro. On remet à zéro. Ok, je te lis, machin. On est reparti. Voilà, j'aurais pu avoir t'écoute. Là, voilà. Il n'y a pas besoin de plus. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de faire la promo, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous fassiez ça dans vos cours. Bien au contraire, ne le faites pas. Ne le faites pas si vous n'en avez pas les compétences. Enfin, si vous... non, ce n'est pas une histoire de compétences, ce n'est pas vrai. Parce que moi, mes débutants, ils le font. Ne le faites pas si vous n'êtes pas assuré avec, si vous n'avez pas confiance avec vos partenaires et si vous n'avez pas surtout bien en tête les règles de ça. C'est encadré. Si ce n'est pas encadré, on se blesse, on s'arrache un œil, on se crève les yeux. Non. Encadrer ça. Avec des gens qui ne sont pas orgueilleux, qui savent quand ils ont perdu, qui savent quand ils ont gagné. OK ? Troisième mini-geste, Ablofen. Ablofen, vous connaissez, c'est facile. Pour toute pression sur mon épée, quel que soit l'endroit, maintenant je suis ici. Et là, Sofiane, il écrase mon épée. Là, ce que je vais faire, je vais le laisser s'écouler. Ablofen. À partir de là, maintenant, je peux frapper. OK ? Toute action où mon épée se trouve être écrasée, là, il m'écrase. Hop. Je remets, il m'écrase. Hop. Je remets. Allez, écrase-moi. Hop. OK ? Alors, Ablofen, c'est pas vraiment. C'est pas offensif. Ça, c'est un problème. Là où Dour chez Zouken permet d'être offensif derrière. Ablofen, ça permet juste de décrocher une taille forte d'un côté ou alors de faire Umschlagen into n'importe quelle taille, parfois Umschlagen Zwerg, Umschlagen Oberhau. Ok, donc Ablofen, dès lors que vous sentez une forte résistance, et bien j'en ai ici, là il faut que je le laisse écouler. Le problème c'est que, voilà, si je le laisse écouler, ce qui se passe, c'est que moi je suis là, et malgré tout, bah, lui s'il a de la reprise, vu qu'on travaille en lent, enfin, il va m'en mettre une, d'accord, parce que son épée elle est en l'air et la mienne elle est bloquée. Donc souvent, quand on fait un ablophone, derrière, il faut penser non pas à la touche, encore une fois, mais à sa sécurité pour ne pas travailler en l'air. Donc si jamais je me retrouve écrasé ici, quand je quitte l'ablophone, je ne vais pas faire une frappe. Ça, on le voit plein de fois en compétition. Les mecs, ils sont là, bam, 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 sert, wow, je lui envoie un zwerch, wow, il m'envoie un burrow, je lui fais une tête, il me fait une cote. Super, double, nul. Okay, la touche, on s'en fout, c'est la vie qui compte. Je suis là, boum, il appuie. Et on revient en garde, on remet de la distance et on continue à travailler. Ablofen, c'est quand on est dans la merde. Hein. C'est quand on est dans la merde, d'accord? Et après, vous verrez Schnappen. Amnemen, je vais le montrer en même temps, vu que Ablofen, c'est assez simple. Amnemen, c'est aussi une unité minimale au liage, seulement elle apparaît que dans la pièce de Zorn. Je parlais avec Loïc. Et souvent, Amnemen est confondu avec le Dursch, parce que Dursch, c'est ça. D'accord? Dursch par le haut. Ouais, très précisément. Amnemen, ça ne se fait que par le haut. Et Dursch et Amnemen sont Dursch par le haut et Amnemen sont confondus. Dursch par le haut, c'est ça. Amnemen, c'est ça. Pas pareil. Amnemen, c'est Lutz Horvath, donc un instructeur qui est pour le coup vraiment germanique, parce qu'il parle allemand, lui, parce qu'il est allemand, le décrit comme le fait d'enlever et de remettre le chapeau sur le porte-manteau. Okay. Pourquoi? Parce que dans Amnemen, l'idée, c'est de maintenir son épée le plus proche de la sortie de l'épée de la pointe, donc, et de sortir au dernier moment pour abattre. Ce faisant, en général, on touche par-delà l'épée adverse. C'est exactement la fin de la pièce de Zorn. La fin de la pièce de Zorn nous dit, une fois que le Zorn est paré, que Zornort, donc la pointe qui suit, est parée, on est dans une situation à peu près comme celle-ci, où là, il apparaît, et là, j'ai peur pour ma tête. Normal. Parce que là, il m'a décalé, il va faire absetten. Je monte en buff, d'accord? Parce que je vais me couvrir. Et là, vraiment, ce que je veux, c'est avoir sa tête. Mais si je fais ça... Non. Si je fais ça... Encore une double de merde. Parce que ce que j'ai voulu faire, c'est avoir sa tête. Alors que j'aurais dû d'abord me prévenir et sauver ma vie. Donc, du coup, on est là. Je monte, je sauve ma tête. Et là, regardez, je vais frapper. Je décroche au dernier moment. Et je frappe à son épée. Sauf qu'en faisant ça, je le touche aussi. Et la situation, c'est ça. Tu le frappes à son épée après l'Amnemen. Ainsi, tu le touches par-delà à sa tête. Voilà. Donc, Amnemen, c'est l'idée. Je refais. Je sortir et frapper. Et vous voyez, ça fait un petit effet où ça ouvre, si vous le faites bien. Parce qu'en fait, le tout truc, c'est vraiment juste après qu'on est cassé, d'être capable de frapper dans le faible, de faire une espèce de froissement et d'ouvrir. OK? Donc on va refaire l'exo, encore une fois. Vous ajoutez juste Ablofen, Amnemen. C'est tout. OK? Ouais. Pourquoi le Schnappen par rapport à Ablofen? Alors, je suis en situation d'Ablofen. Il m'écrase. Si je fais Ablofen, juste je le laisse écouler. Et là, je dois m'en aller. Boum, j'ai essayé de contrôler. Bon. Schnappen, c'est quoi? Schnappen, c'est il m'écrase, je le maintiens. Là, je ne vais pas partir, je veux qu'il reste là. Parce que s'il reste... Alors après, le problème de Schnappen, c'est quelle distance je suis. Là, je suis loin. Si je suis là, je vais avoir tendance à venir rabattre mon épée sur la sienne. Schnappen.
sur son épée. Mais maintenant, je snappen souvent. Quand on est là, j'ai avancé. Là, il me plaque. Voilà, c'est une lutte. Hein. Je snappen avec un pommeau. Et si on est à mi-distance, enfin, si on est plutôt ici, je snappen, ça te dit, tu lui fracasses ton épée sur les mains. Donc, je suis là. Oh, j'ai mis une grosse main. On ne va pas faire ça. On ne va pas faire celui-là. Mais je snappen, oui. En général, les deux solutions qui s'offrent à vous en snappen, c'est on enlève celle sur les mains, c'est je suis prêt. Boum. OK. Et vous savez que j'ai pas besoin de. Vous n'avez rien à faire hein, pour que le pommeau soit placé. Hein. En fait, comme je suis là, mon pommeau il est déjà placé. Donc en fait, ça va tout seul. Je n'ai pas besoin de lui mettre une grande. Et sinon, bah, je suis là. OK. Je me rabats sur son épée. Je reviens en garde. OK. Allez. Alors, au niveau des Vinden. Donc, les Vinden, c'est les rotations. Il y a quatre ouvertures, je rappelle. OK. En haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. D'accord. C'est les quatre ouvertures principales. C'est le cas Joachim Meyer, il a une planche où il montre un personnage découpé en quatre avec les ouvertures. Pour le carré de Meyer, si vous en avez déjà vu, il y a les angles qui sont présents. Et globalement, ça existe depuis toujours. Alors, on discerne qu'il y a quatre ouvertures. Alors, c'est des ouvertures au sens large. C'est-à-dire que dans le cadran en haut à gauche, il y a ma tête, il y a ma gorge, il y a mon épaule, OK, et il y a à peu près la moitié de mon biceps. D'accord. Ouverture basse, encore une fois, c'est un cadran large. Donc, il va y avoir mon bras, mon coude, ma hanche, un peu ma cuisse. On va rarement en dessous du genou, hein, ça on en parlera plus tard. Mais globalement, voilà. Donc, c'est des cadrans qui sont larges. Ces cadrans, eh bien, quand on est dans ce qu'on a fait là, c'est-à-dire dans la distance, dans l'arbeit, et qu'on va chasser les ouvertures, ça s'appelle l'Edelkrieg, okay, le noble conflit, le fait d'aller avec des rotations chercher une ouverture, ben, elles obéissent du coup aux Vinden. Les Vinden, pourquoi je dis qu'on fait des maths? Parce qu'en fait, il y a 24 rotations. Ce n'est pas un chiffre sorti de... C'est pas un chiffre sorti de nulle part. Pourquoi il y a 24 rotations? 4 ouvertures. 2 Vinden par ouverture. Extérieur, intérieur. Donc ça fait 8. Et il y a 3 vulnérants. Les vulnérants, c'est la façon de toucher. Taille, entaille, estoc. 3 fois 8, 24. Donc pour chaque cadran, il y a 2 Vinden. Et pour chacun de ces Vinden, il y a 3 façons de blesser. 24 rotations. Alors, maintenant, je mets une petite parenthèse, une parenthèse moderne. Les Vinden à entaille, donc l'entaille, déjà l'entaille chez nous, c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué à faire, c'est juste que dans une dynamique sportive, une dynamique de lecture, les entailles, c'est dur à voir, c'est dur à comprendre, parce que le propre d'une entaille, c'est que bah, c'est une coupe, en fait, n'existe pas en dehors de la coupe. Et l'efficacité d'une entaille ne se voit que dans le cadre où il y a une épée qui coupe. Alors que bon, je vous claque un verre sur la gueule, mon épée ne coupe pas, vous le sentez. On vous met une pointe sur la gorge, mon épée ne vous transperce pas, vous le sentez. L'entaille, on est obligé un peu de jouer le jeu. Alors on va quand même faire l'entaille parce que je ne vais pas squeeze les entailles parce que juste ça ne nous intéresse pas dans notre pratique moderne avec des épées bluntées. Mais dites-vous bien que ça va vous paraître bizarre. Ça va vous paraître sous-optimal ou étrange. Okay. Donc comment ça se passe? Mets ton masque par contre. Stop. Ah, je sais pas. Bah, quelqu'un avec un masque alors. Non, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Non, mais attends, non. Bon, on va le chercher. Vas-y, Soso. Comme ça, tu l'auras. Mais tu ne seras pas sur la vidéo, désolé. Voilà. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, donne-nous. Voilà, tu menaces. Voilà, ça ou quoi. Bon, sur son ouverture droite. Bien sûr, les Vinden, on ne les fait pas en l'air. Hein. Ça n'existe. Ça existe. Quand je fais ça, bien sûr, je fais des rotations. Hein. Mais le propre d'une rotation pour aller chercher une ouverture, bah c'est dans le Krieg, donc dans l'Edelkrieg, donc dans le stretch. Okay, je suis là, je veux aller chercher l'ouverture en haut à gauche de Sophia. Okay, le texte me dit que je peux aller le chercher avec une rotation. Rotation interne, ça veut dire que je vais aller de mon côté fort vers mon côté faible. D'accord. Donc je vais tourner de ce côté-là. Ouais. Et du coup, en voulant. Donc là, si je veux faire une taille. Il va falloir, à partir de cela, que je fasse une rotation assez explosive pour venir lui mettre une coupe. Okay. Première façon, enfin, premier vulnérant sur le Vinden intérieur. Deuxième vulnérant, les stocks sur le Vinden intérieur. Je suis là, je veux aller lui chercher cette ouverture. Bon, globalement, ça va être la tête en fait, que je vais aller chercher. Hein. Je vais tourner. Deuxième vulnérant, toujours la rotation intérieure. Et enfin, la dernière, celle qui, du coup, est la plus embêtante pour nous. Je dois faire un Vinden et là je dois l'entailler. C'est-à-dire qu'en fait, une entaille, hein, pour vous dire, c'est en gros poser, glisser. D'accord. Donc, du coup, ce n'est pas une frappe, ce n'est pas une pointe, c'est un tourner-glisser. Là, je peux vous assurer que c'est une épée tranchante et qu'on est en blosse. C'est-à-dire que
on est à poil, on est en civil, bah, je le coupe. Okay. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà fait de la coupe ou qui ont déjà vu les épées de coupe. Moi, mon épée de coupe, je me suis coupé en la rangeant dans la boîte parce que mon doigt a effleuré le fil. D'accord ? Vrai. Donc, je peux vous assurer que ça coule. Il ne faut pas grand-chose pour couper, pour faire une entaille. C'est une entaille. Il n'est pas mort, hein ? Il est entaillé. D'accord ? Voilà pourquoi. Vous voyez ce genre de geste. En plus, là, c'est sur les rotations les plus faciles. Les intérieurs. Parce que je vous assure, pour les extérieurs, c'est encore c'est un peu plus chiant. Donc, du coup, ici. Hop. J'ai fait que la rotation intérieure. La rotation extérieure, petite particularité sur la rotation extérieure, elle a besoin d'un liage dur. Donc là, il est mou, il n'oppose pas une grande résistance, donc je peux effectivement facilement venir exposer. Même si s'il résistait un peu, ça m'a obligé d'être assez prompt sur le fait de passer du médian à son faible, parce que je veux avoir une zone privilégiée. Si je vais dans son faible, forcément, j'améliore le liage. Donc là, ok, d'accord, l'importance. Et encore une fois, hein, c'est-à-dire si on analyse, tout ce qu'on, si on a fait la structure au début, c'est pas pour rien. Si je le fais de pied fixe parce que je suis à cette distance-là, encore une fois, je viens, et après je libère le pas pour faire la pointe. Donc on est toujours sur la même mécanique, comment on joue avec les hanches. Rotation extérieure, donc ça va être de ma main faible vers ma main forte, d'accord ? Doupli run par exemple. Doupli run, pour ceux qui connaissent, c'est une rotation extérieure, particulière, mais c'est une rotation extérieure. Donc là, Sofiane y résiste, il va me pousser, et moi je vais faire une rotation, et là pour le coup, je vais a priori aller chercher, je ne peux plus aller la chercher celle-là, ça n'aurait pas de sens. Ce que je veux, c'est aller chercher celle-là, pour croiser, pour aller frapper par-delà son épée. Donc du coup, je suis là, il me pousse, ok. Donc si je le fais en frappe, celle-ci, si je la fais en frappe, c'est ça, d'accord. Si je la fais en taille, encore une fois, il pousse, hop. Et alors si je la fais en taille et qu'il pousse, vous voyez, la différence est subtile, hein, entre la taille et l'entaille, c'est subtil, mais c'est une entaille. Et du coup, vous m'avez dit, mais oui, mais alors, là, tu n'as pas fait l'extérieur sur ce cadran-là. Ben, ça se travaille de l'autre côté. C'est-à-dire que là, du coup, si je veux travailler sur ce cadran-là, ben, il pousse, un, taille, un, estoc, un, entaille. OK. Pour les cadrans bas, comment ça se passe? Les cadrans bas, on est ici, et là, je veux lui avoir son bras, enfin ce cadran ici. Donc plutôt que de diriger ma pointe vers le haut avec la rotation, je vais diriger ma pointe logiquement vers le bas. Hop. Okay. Ça c'est plus dur à faire parce que en fait le truc c'est que la résistance elle est plus facile pour lui. Donc si vous faites un Vinden pour aller chercher une ouverture basse, dites-vous vous allez très souvent contrer, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en termes de construction, si je suis là c'est une, ça correspond à une mauvaise parade. Qu'est-ce que je fais là? Ok, ça à chaque fois je le fais, les gens ils sont là, ça me pressure, oh là là, machin. Mais c'est normal que ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que moi, j'ai le corps qui est armé, lui, ce que je vais choper, c'est le dos de son épée, sur le côté où il a le moins de résistance. Là, je lui fais sortir des mains. Donc bien sûr, c'est pas une histoire de puissance, hein. C'est de la physique. Hein. Quand c'est ça, bien sûr que ça part. Ok, c'est pas une histoire d'être costaud. Donc, ok. Donc effectivement, si je vais faire ça, alors vous voyez la difficulté de ça, c'est comme on va chercher très loin, très bas, là, il faut faire super gaffe à sa structure. Et là, pour le coup, je suis mal structuré. Là, mon dos, il est en train de se barrer. Donc du coup, il vaut mieux travailler sur les Vinden bas en faisant soit des pas de côté, des grands pas de côté, sur l'extérieur ou sur l'intérieur, pour essayer voilà, d'attraper un petit peu l'intérieur du biceps. D'accord. Donc là, j'ai fait... Bon, la taille, pour cela, la taille et la pointe, c'est quasi pareil. En général, la taille, je vais venir faire ça, en essayant de choper avec une taille. La pointe, je vais essayer de rentrer par là. Donc, j'ai changé mon pas, vous avez vu. Là, je vais sur son épée pour faire rentrer ma pointe. Là, je vais loin parce que j'ai besoin d'amplitude. Et l'entaille. L'entaille, encore une fois, c'est un peu de la merde. C'est que je vais essayer d'attraper comme ça et de faire ça. Ça ne se verra jamais. Ok, je vous le montre, avec une épée qui coupe, ça marche. Mais nous, dans nos contextes, si jamais vous devez vous arbitrer ou... vous auto-arbitrez ou faites la compète, ça, pour les arbitres c'est dur, pour vous c'est dur, personne ne le voit. Donc malheureusement, encore une fois, ce vulnérant-là, bah, on peut pas trop l'utiliser. Quoi. Donc vous allez faire ça, je vais bien sûr vous rappeler les trucs, parce que ça fait beaucoup, mais vous allez jouer avec les rotations. En haut, 1, rotation intérieure, avec la taille. Je suis là, je vais venir faire ça promptement. Et si je veux être sûr, je vais faire un pas du côté où je frappe. 1.
C'est comme si vous faisiez un sverche, hein, ça ressemble. Hein. Mais par contre, ça part du liage. Ça se fait dans le liage. Hein. Vous ne me faites pas. Je veux pas voir ça. Ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est un sverche. Vous avez quitté le liage. Ça se fait à partir du liage. Je fais au liage. Ok. 1. Ensuite, estoc. Là, vous avez vu qu'au niveau de mon pas, comme c'est un estoc, j'essaie d'aller très droit parce que je veux m'imposer. Je veux imposer ma pointe à sa gorge. Donc là, je vais avoir tendance à faire un pas vers lui plutôt qu'un pas sur le côté. Même si le pas sur le côté marchera. D'accord. Et enfin, pour l'entaille, bah, voilà. Je vais essayer de prendre un angle extérieur parce que ce que je veux, c'est pas frapper fort, c'est vraiment glisser. Ok. Donc ça, c'est pour les intérieurs. Les extérieurs, on est ici. Donc du coup, là, c'est l'autre ouverture. Il pousse. Quand il pousse, je tourne. Là, ce que j'ai fait, c'est l'estoc. D'accord. Sur la taille, c'est plus dur parce que du coup, au moment où il pousse, il faut que je sois suffisamment rapide pour avoir suffisamment d'angle pour mettre une taille. Il pousse. Pardon. Okay. Toujours pareil. Hein. Il vous pousse par là, vous le suivez. Vous le suivez, mais vous gardez l'épée. Ah, bien. Il me pousse, je le suis. Bon. Et si jamais ça n'a pas touché en taille ou en entaille, bah vous transformez en pointe. Et si jamais il recule, hop là, vous avez vu, et on repart sur les trucs qu'on connaît. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait d'ourche plus une autre rotation pour lui mettre une pointe. Voilà. C'est tout ce que vous avez à savoir. Rotation basse, pour aller chercher les cibles basses avec une rotation sur l'extérieur, c'est compliqué, et c'est vrai, c'est une des plus dures. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais faire une rotation sur l'extérieur parce qu'il est dur, et je vais aller lui choper, je vais mettre mon masque quand même, et je vais aller lui choper du coup cible basse, donc soit le bide, soit le bras, soit la manchette, ok? Et effectivement, celle-là, ça fait partie des plus dures. Je suis ici, il pousse un petit peu, ok? Pour bien le faire, si vous prenez attention, regardez que sa lame, là, en fait, elle est doublement croisé sur la mienne, le quillon bloque, ma lame bloque. Donc là, même s'il appuie, ou si, bah, s'il appuie, de toute façon, il ne pourra pas sortir. Et s'il avance, il va se retrouver au-dessus, et surtout, lui, il a tendance à s'empaler. Et alors là, par contre, c'est parfait. Hein. Ok. Et c'est vrai que ça va aller dur. Donc comment on fait? La difficulté, là, c'est dès que je sens que ça pousse, je tourne. Première chose. Je monte. Deuxième chose. Là, c'est, là j'ai le premier point qui est validé. Sa pointe est sur mon quillon. Je vais venir ensuite avancer en suivant sa lame. Et là, c'est bon. Alors, je sais que c'est un peu compliqué. Il pousse. Pardon. Si jamais... Là, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas réussi à passer de l'autre côté. Mais je l'ai quand même bloqué. Du coup, ben, je suis allé chercher une autre ouverture basse. Dans tous les cas, ça fonctionne. Il faut vraiment être... Votre stimuli, c'est à la fois un stimuli qui est visuel. Je suis là. Là, il m'a ouvert. Là, je sais que ça... Si je le laisse faire, c'est dans ma bouche, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite venir le lever comme ça, ok? Parce que ce faisant, là, hop, là, s'il met les stocks, c'est parti. Et là, même en général, s'il avance, c'est lui-même qui s'empale, je n'ai pas besoin de faire grand-chose, ok? Je sais que c'est un peu compliqué celui-là, et du pliant sur ouverture basse, c'est un peu dur. Mais si vous le faites bien, si vous prenez le temps, bah, ça passe. Et puis, c'est joli. Voilà. Ah, non. Ouais, oui, bah voilà. Thank you.
encore une fois. Il y a une très belle phrase dans Dobringer qui parle d'Evindon et qui dit en somme que si tu sais faire les rotations, alors tu sais faire naître tous les jeux. Toutes les techniques naissent d'une rotation. Et c'est vrai. Globalement, une fois qu'on a lancé une frappe, les rotations permettent soit de travailler au liage, soit d'amorcer quelque chose pour frapper de l'autre côté. Il y en a qui m'ont dit, moi, mes adversaires, ils ne veulent pas le liage, ils le refusent. Et du coup, on travaille beaucoup plus dans le two-fechtum, dans l'approche, dans le combat, sans qu'il y ait du liage contrôlé. Mais c'est pas grave parce que... C'est pas grave parce qu'en fait, ce que vous faites là, typiquement le double run, donc la situation où l'adversaire est fort et vous faites une rotation externe pour l'avoir. Ben, imaginons là, je suis loin, et puis je vais lui lancer un zwerch. C'est le premier coup que je lance. Mon adversaire, il est pas débile, et il est plutôt chaud, il est plutôt ready. Donc qu'est-ce qu'il va faire sur le zwerch? Il va le parer. C'est mon premier coup. Ce premier coup, il a énormément de chances d'être paré. C'est pas grave, je le sais, je vais construire dessus. Il part mon zwerch, et là, il veut l'écarter. C'est un double run, d'accord? Pas besoin d'être toujours dans la situation où on est au liage pour le faire, où on est dans une... Le combat ne commence pas dans l'arbitre, hein, faut bien prendre conscience de ça. Un combat, ça commence plus loin. Mais du coup, ces petits trucs-là, vous allez les placer tout le temps. Donc, le zwerch, voilà, et globalement, allez, je sais pas, je vais faire... Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, rotation basse, celles qui sont compliquées, on va parler, celles qui sont compliquées. Je viens le frapper encore une fois, ici. Bon, bah, globalement, je vais frapper là. Rotation basse, hop. Vous voyez, je tourne à son épée. Une fois que j'ai pris le liage, je l'ai forcé. Je le force à prendre le liage. Je le force parce qu'en fait, je fais une attaque et il la part. Et que si lui, il a un peu de conscience de se protéger, ben, ça va mettre dans une situation que je vais biais. De la même façon, allez, je vais faire un mounteur ici, celui-là, là, et je le lis. Bon, ben, globalement, là, s'il écrase mon épée, hop. Ça, c'est un double run aussi. Hein. Sur base d'une taille. Hein. Alors, c'est pas du tout une situation qu'on a fait. Moi, je vous ai fait commencer à chaque fois dans un truc facile. Qui est, on est en floug, et puis là on est bien, oh, on est égal, médian, et puis allez, ça pousse et ça fait des trucs. Mais en fait, vous n'allez pas tout le temps être en floug non plus, vous n'allez pas tout le temps être en coin non plus. Mais tous les coups, globalement, si vous savez tourner, tous les coups vous permettent. Allez, je sais pas, je vais essayer, j'ai pas prévu, je teste, de toute façon, c'est le système. Une fois que vous l'avez, ça sort tout seul. Je fais ça, bon, hop. Si mon adversaire, là pourquoi ça marche, ça marche. C'est pas parce qu'on est. Bon, c'est parce que j'ai pas de masque, on est dans l'exercice aussi, il est collaboratif. Mais ce que je veux dire, c'est que même si j'ai le masque, globalement, ça marche, parce que lui, à aucun moment, il fait des vrais écartés. En fait, il fait une parade qui n'est pas la parade optimale sur la situation. Alors, attendez, je vais mettre. On va faire en sorte qu'il puisse répondre un peu plus. Ok, on continue. Ça va ? Ouais, t'inquiète. Qu'est-ce que j'ai fait globalement ? Il m'a pas. J'ai pas eu l'impression qu'il le voulait le liage. Hein. Il n'a pas forcément cherché à avoir le liage. Il s'est défendu d'attaque, mais comme moi, en permanence, dans mes attaques, je fais en sorte que ma pointe elle reste dans cet endroit-là, il est obligé de considérer le liage. Donc en fait, je le force à lier. Et ça, c'est un truc. On me dit très souvent dans plein de clubs, vous n'êtes pas isolé. On me dit, moi, mes adversaires ne veulent pas lier. Mais même chez moi, hein, mes gars, ils me disent, mais ouais, mais attends, machin, des fois, il ne veut pas lier. J'ai dit, le liage, les gens ne le veulent pas. Parce que normal. Et en plus, ça a du sens. Quand on voit ce qui se passe au liage et que c'est souvent le plus technique qui gagne au liage, en général, si on n'est pas trop sûr, on ne le veut pas le liage. Mais tout le truc, c'est de le forcer. Comment on force le liage? On fait une attaque, on fait un coup de maître, on fait une brisure, c'est la suite. Donc là, globalement, on va partir sur les coups de maître. Je ne vais pas vous refaire les coups de maître en entier parce que c'est long. Parce que vous avez tous, en majeure partie, vous avez déjà travaillé la germanique et les coups de maître. Le but, ça va être de voir les coups de maître. En mettant en avant à chaque fois les unités minimales. On va commencer par le Zarnau. Donc le Zarnau, je vais faire quand même un petit topo, parce que c'est un truc qui revient souvent et qu'on m'a dit tout à l'heure. C'est quoi la différence entre un Zorn et un Oberau? Le Zorn, il a les hanches, effectivement. Le Zorn, il ne vise pas l'épée, mais le Zorn, il t'assure que si ça connecte à l'épée, tu as un liage positif. Donc, il y a aussi un peu de l'intensité, parce qu'en fait, ça engage plus de choses. Ça engage la hanche, le Zorn. Là où un Oberau, c'est un coup qui va venir choper une ouverture et qui ne va pas servir à construire. Un Ober, c'est un finisher. J'ai fait ma séquence, boum boum, et puis là, je vois qu'il y a une ouverture. Ah, Oberau, je m'en vais. Tu vois, le Oberau, il a tendance à être filant. Quand on fait des Ober, c'est pour venir couper à tel endroit et se barrer ou revenir sur une garde. L'Oberau, il est là pour verrouiller une situation. Ce n'est pas pour rien que on vous le dans les manuscrits, c'est celui qui introduit le liage. Si vous regardez le Zettel, il y a une pause dans le Zettel. On a 5 coups de maître.
on nous parle, le premier qu'on nous amène, c'est le Zornow. Le deuxième, c'est le Kumpau. Sauf qu'entre le Zornow et le Kumpau, il y a un petit paragraphe qui ne nous parle pas de coup de maître, qui nous parle des quatre ouvertures et de l'aile de Krieg. Juste après le Zornow, ça c'est pas moi qui l'ai agencé comme ça, c'est le Zettel qui est comme ça, dans le récital, on nous parle des cinq coups de maître qu'il faut connaître, on nous parle du Zorn, pause, c'est quoi les quatre ouvertures, comment on les prend, puis deuxième coup de maître, troisième coup de maître, quatrième coup de maître. Donc dans le Zettel, vraiment, il y a une pause, le Zornow, il est là pour introduire un concept sur la chasse aux ouvertures. Et quand on regarde comment il fonctionne, ben, c'est pour avoir un liage positif. Donc concrètement, je vais vous montrer, on va travailler sur la forme, comme ça pour aller plus loin. Un Oberhau, je me mets en von Tag. Garde que j'utilise très peu personnellement, sauf dans l'approche. Je vais faire un Oberhau. Un Oberhau, c'est ça. Ok, un Oberhau, je vais essayer d'avoir ces gants. Ah, c'est un Oberhau, ok. Un Zorn, c'est un peu différent, effectivement. Je vais engager la hanche, ou moi je vais engager un pas un peu plus franc. Le Zorn, à la fin, je veux, le but du Zorn, c'est d'ouvrir la ligne. Ok, si je le touche en le faisant, c'est parfait. Si je ne touche pas, c'est pas grave. Je vais avoir un liage positif. Donc celui-là, ça, c'est un Zorn. Et là, ma pointe, elle est placée. Et normalement, la suite, c'est que je mets une pointe. Donc là, je fais ce qu'on appelle Zornort, la pointe furieuse, qui est en fait juste l'extension et je lui mets. Donc mon adversaire, en général, quand il a pris un Zorn comme ça et qu'il voit qu'il est bloqué, soit il recule, donc vas-y, recule, je suis. Voilà. Et du coup, il prend quand même. La suite de la pièce, elle nous dit, je suis là. C'est le Zorn en attaque. Hein. Je ne suis pas en train de parler du Zorn en contre, on en avait parlé, parce que parfois, le Zorn est montré en contre. On t'attaque en haut, tu fais un Zorn, n'est-ce pas? On en avait parlé tout à l'heure. Ouais. Mais c'est pas. Comme une défense. Oui, mais il y a aussi la pièce présentée comme une ouverture. Elle n'est pas que présentée en défense. Il y a les deux. Donc je suis ici. C'est mon Zorn. Vas-y, recule. Il écarte ma pointe. Ah, pas si loin. Il écarte ma pointe. Et là, on nous dit, si il se prémunit de ta pointe, tu fais Amnemon. Amnemon, c'est quoi? 1, 2, 3. Ok, donc ça, vous l'avez vu. Donc ça, c'est la pièce de Zorn. Ce qui est important dans le Zorn, alors on peut le faire de pied fixe, on peut le faire en avançant, on ne peut pas faire de Zorn à gauche si on est droitier, il n'existe pas de l'autre côté, c'est un coup qui demande, enfin, qui est directeur, c'est-à-dire qu'il n'y a que sa version du bras où on est fort. On ne fait pas de Zorn à gauche, ça n'a pas de force, un Zorn à gauche. Okay, donc je suis ici, on va commencer à le faire en von Tag, et du coup quand je le fais, mon objectif c'est finalement à la fin, je suis dans une pseudo-flug. Alors là je les raccourcis, du coup quand vous le faites, vous essayez d'être en extension et surtout on gaine. Pourquoi on gaine? C'est mieux que je vous ai montré. Quand on est enclenché sur la hanche et qu'on gaine ici, on est très résistant. Le but c'est d'avoir un liage positif. Donc là, même s'il apparaît, si j'ai ouvert un petit peu, je vais garder cette ouverture. Et du coup, je vais exploiter cette ouverture. Vous allez vous mettre par deux pour le faire. Je vais quand même faire le Zorn en contre. Le Zorn en contre, hein. Une fois qu'on a fait le Zorn en ouverture, le Zorn en contre il est pareil. Il me frappe à la tête. L'avantage du Zorn en contre, c'est qu'en général, il ne pardonne pas, parce que là, il n'est pas prêt à se défendre. Donc, du coup, ça ouvre et il n'y a pas de suite. Bon, alors, soit ça touche d'un coup, soit derrière, il y a la pointe. Le Zorn en ouverture, il est prêt à se défendre. Donc, souvent, le premier coup ne va pas passer, mais après, on peut construire. Okay, donc, testez ça, vite fait. Faites un Zorn à deux, et après, on va aller plus loin. Bon, on va... des points de détail sur le Zorn pour améliorer, pour aller plus loin. Amnemon. Mais ouais, je vais mettre ça. Sur l'amnémone et sur la réponse, en fait, il y a plein de variations qui vont arriver. Normalement, quand on nous le présente, l'adversaire se prévaut de la pointe en décalant avec une proto-floue, d'accord? Mais il y en a quelques-uns d'entre vous, et vous n'êtes pas les seuls, il y en a d'autres qui le font, qui en fait ont tendance à monter tout de suite les mains parce qu'ils ont peur pour leur tête, ils ont raison. Donc, normalement, comment ça se passe? Je suis là, bon, je vais le faire en attaque. Je fais mon zorn, j'ai ouvert, il y a la pointe, elle est là. Non, reste. Tu décales, voilà. Et là, alors, normalement, s'il est là, derrière, ce qui va se passer, c'est que, ici, il y a boulevard. Il est au-dessus de mon épée, s'il fait une charrue, de ce côté, en étant encore à mon épée. Ah, et là, je suis vraiment dans la merde, pour le coup, d'accord? Là, je vais la prendre. Sauf que la pièce me dit, si il se prémunit de ton estoc, tu vas faire Amnemon. On l'a fait, Amnemon, mais il y a un petit détail que j'ai pas, sur lequel je n'ai pas assez appuyé, c'est que ça, quand on vous contre, normalement, on vous contre comme ça. Donc là, je suis mort ici. Donc, je ne vais pas faire ça. Puis ça, parce que ça, c'est trop lent. Je vais mourir. Je n'aurai pas le temps. Donc, si je suis là et qu'il est comme ça, je monte. OK? Je monte en ox. Mon Amnemon, en fait, je le fais pour tout de suite me mettre sous mon épée.
pas trop fort, parce que si je fais trop fort, je quitte, et là, je suis mort pareil, d'accord ? Un, je monte. Et là, maintenant, c'est parfait, parce que du coup, au moment où je vais sortir, je vais casser sur son épée. Et normalement, je lui fais épée-tête. Là, j'ai fait, enfin, je lui fais épée et la tête en même temps. Là, pour plus de sécu, je fais son épée, puis sa tête. D'accord ? Donc ça, c'est le point sur l'abnémone. Mais, variation, je suis là, boum, boum, il est calme, et il est fort. Et il n'a pas fait une bonne parade. Alors là, il est très fort. Là, il a pas, il fait ça, mais il n'a pas encore mis la pointe. Donc, qu'est-ce que je fais, moi ? Double run. OK ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Les double run, les Vinden extérieurs, donc double run, on le fait quand l'adversaire pousse fort. Ben là, dans cette situation, il me pousse fort. Donc, j'ai tourné, hop, voilà. Et qu'est-ce que je fais ? Vous allez me dire, voilà, toujours le même problème. Ben là, c'est super, mais qu'est-ce qui l'empêche de venir faire ça ? Vas-y, essaie de me toucher le bras. Je remets une, je le suis. Hein. C'est moi qui ai l'avantage du liage. Hein. Donc ça, c'est une variation. Maintenant, il ne va pas me décaler. Je vais faire Zorn, Zorn Ort, et là, il va tout de suite monter les mains. Donc, là, j'ai une crampe au biceps. Ah, là, il monte. Bon, alors là, il vient en garde de la couronne. Bon, dites-vous que si l'adversaire vient comme ça, alors là, c'est une lutte. Hein. Là, tu la prends dans la gueule. Hein. Tu peux venir mettre son kick. Là, s'il est fioriste, il va vous mettre un kick. Mais sinon, globalement, bon, boum, boum, ça monte les mains. Bah là, vous restez pas. Hein. Boum, vous en allez, vous lui mettez un coude, vous lui mettez une main. Et lui, dans le processus, ce qu'il peut essayer de faire, c'est de vous mettre une tête quand vous partez. Vous interceptez, il ne se passe rien, c'est pas grave. Ok. Mais monte pas droit, parce que là, tu montes en couronne, c'est bien. Mais monte en bœuf. Ok. Okay. Donc, 1, 2, là, il monte en bœuf. Ok. Donc là, on est dans une situation un peu con où moi, je peux rien lui faire et lui peut rien me faire. Bah, qu'est-ce que je fais si je suis là ? Pareil, hein. L'ouverture est lissée, je m'en vais. Ok. Pas besoin de... On s'adapte, quoi. Si maintenant, il appuie, toujours pareil. Boum, boum, il appuie. Bah, à partir de là, là, il appuie, il est rentré. Pomo. Si maintenant il appuie et qu'il rentre pas, boum boum, ouais, ici, il appuie, il rentre pas. Bon, bah à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il rentre pas. Hein. Snappen, il appuie sur mon épée. Ok ? Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça se replace là. C'est juste des variations de situation, de distance. Donc en fait, tout est replaçable. Petit truc sur votre offensive aussi. Comment on feinte un Zorn ? Parce que le problème du Zorn, c'est qu'en général, quand il y a quelqu'un qui est ici, là, et que vous attend, mon pote, là, tu dis où ? Ou lui ? Ou alors pire, là, tu dis, oh là ! Ou lui ? Lui, il va m'en mettre une grosse. Bah, du coup, il faut le feinter. Comment on fait un zorn ? J'ai mal, moi. Comment on fait un zorn ? Bah, on peut faire une rétraction. Je suis là, je suis en bonne tac. Mets-toi en long point, non, je vais te taper. Je suis là. Et en fait, globalement, je fais croire que je lance un zorn. Je le rétracte. Je mets une pointe derrière. Donc, le zorn, comme dans la trajectoire, vous faites ça avec le pas. Vous faites ceci, ben rien ne vous empêche de ramener les bras très tôt. Là, du coup, ben vous êtes armé. Boum, une pointe. Okay. Toujours pareil en vous prévenissant que globalement, si lui, il a un peu de sang-froid, ce qu'il va faire, c'est qu'en gros, il va rester pointe devant. Et là, du coup, ben, s'il veut vous mettre sur le timing une pointe, il faut faire attention. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en charrue, la pointe, elle vient là, qu'est-ce qu'on fait ? Vas-y. Hop là ! Et on raccorde avec ce qu'on a vu. Donc, tout a du sens. D'accord ? Le Krumpao, c'est le deuxième. Et moi j'ai pas de problème avec le Krumpao, mais pendant longtemps, j'ai entendu plein de gens, ça m'énervait. Beaucoup de choses qui m'énervent en même temps, je vous dirais. Mais j'ai entendu plein de fois, non mais le Krumpao, c'est super, mais ça marche jamais. On le voit venir à 10 000, machin, c'est un coup qui passe pas. Et c'est vrai que le Krumpao, si on travaille pas trop son Krump de manière tactique et surtout le maquiller, bah, en fait un Krump, ça se voit venir. Et du coup, bah, ça marche pas. Tout ce qui se voit venir ne marche pas. D'accord. Du coup, le coup a été boudé et on s'est dit, bah, ça, c'est un des coups de maître qui sert à rien. Bon, c'est pas tout à fait vrai. C'est même pas du tout vrai. Et je vais vous montrer pourquoi. Bon, le Krumpao, la source nous le montre de manière canonique. En gros, Krumpao pour niveau bébé. Je suis un bébé de la MHE, de l'escrime germanique. Je fais un Krumpao pour les bébés. Comment je le fais ? Jambe gauche devant, garde de la barrière. Voilà. Ok ? Voilà. Et là, quand tu te tiens comme ça, ton adversaire, il vient te frapper en haut et toi, tu viens, boum, tu jettes le pas. Okay, le krump se fait des deux côtés, c'est-à-dire que ça, c'est un krump de droite à gauche. Il va parer tout ce qui va venir à ma gauche avec un pas qui va être jeté à ma droite, à l'opposé de la direction du coup. Ça,
Ça, c'est un crump qui va se faire de gauche à droite, jambe droite devant, avec un pas qui va être jeté à l'opposé, du coup, qui vient à ma droite. D'accord? Mais ça, le problème, ben, effectivement, quelqu'un qui se tient comme ça devant vous, bon, ben, non, vous n'allez pas y aller, quoi. Vous n'allez pas lui mettre une grosse tête, vous savez qu'il va le faire. Bon. Bon, cependant, il faut quand même savoir le faire. Donc, point de détail, comment on réussit un crump? Il y a deux points importants. L'endroit où on tape et la façon dont on fait le pas. Et encore une fois, ce n'est pas une histoire de force. Hein. Ça compte, mais ce n'est pas une histoire de force. Je fais crump pour les bébés. Mon adversaire va me frapper à la tête. Moi, ce que je veux réussir à toucher, c'est le médian de sa lame. Pourquoi pas autre chose? Parce que si j'attrape le faible de sa lame, il va se passer ça, parce que lui, c'est pas une amibe, hein, il a des bras, et du coup, bah, il va me la mettre direct, parce qu'en fait, choper le faible ne permet pas de contrôler. Si j'attrape le fort, on est dans une situation où, globalement, il va pouvoir, à partir de là, m'en mettre une aussi. Okay, et le truc, c'est que le crump, c'est un coup qui s'inscrit dans un plan plus ou moins perpendiculaire à l'épée adverse. C'est-à-dire que ce n'est pas un coup qui va être dirigé directement sur l'adversaire, il est dans un plan horizontal, d'accord? Soit pour aller chercher les mains, soit pour dégager la lame. Donc si je veux faire un crump efficace, donc je tape sur le milieu de la lame, ou à la limite le début du faible, voilà, dans ce tiers médian, okay, le plat des maîtres, pour ceux qui savent. Bon. Alors vous allez me dire, bah oui, ça demande d'avoir un petit peu d'habitude, et c'est une notion de distance. Si vous êtes trop loin, vous allez avoir tendance à frapper votre crump dans le faible. Si vous êtes trop près, vous allez avoir tendance à frapper votre crump dans le fort. Et après, il y a aussi un problème, c'est que, ça, c'est l'erreur la plus commune sur le crump out. Mets-toi en longue pointe, juste, il me reste. Les gens, ils font le crump comme ça. Donc là, j'ai fait purement horizontal. J'ai fait un mouvement d'essuie-glace. On l'a fait à l'échauffement, hein, pour l'articulaire, mais ça, c'est un mauvais crump. Un crump, ça va quand même aller vers l'adversaire. Donc, je dois un peu projeter mon épée. Donc, ne faites ni ça, ni aussi, j'en vois qui font des crumps où ils les ramènent vers eux. Ils font ça, comme si c'était l'arraché de chez Fioré. Non, ça ne marchera jamais. Un crump, il faut aller vers l'avant. Non, je suis ici. Okay, on va devant. Parce que ce que je veux, c'est frapper là, de cette façon-là. Et l'avantage après derrière, c'est que si vous le faites bien, vous n'avez rien à faire pour placer une pointe, une entaille. Okay, normalement, les pièces, elles te disent, une fois que tu as fait un crump, tu lui jettes ton faux tranchant à la gueule pour l'arracher comme ça. Okay, alors, on peut faire avec une pointe, un faux tranchant, etc. Donc ça, c'est le premier truc. Donc après, oui, faut, comme tous les coups qui sont sur des contres d'attaque, il faut bien sentir le moment où l'attaque elle vient. Donc là, il va mettre une grande tête. Là, je suis bloqué sur ses mains. Hop, je transforme. L'avantage du crump, c'est que derrière, il vous permet de dérouler votre escrime. Donc c'est plutôt pas mal. Deuxième truc, le crump, c'est une rompure. Donc, c'est Ringek qui parle de ça. Est-ce que vous savez quel. Je l'ai dit. Quel garde est cassé par le crump? Ox. Ouais. Mets-toi en ox. Du côté que tu veux. OK. Selon vous, pour casser cet ox, je dois faire un crump de quel côté? De droite à gauche ou de gauche à droite? Pourquoi? Pourquoi? Alors, vous avez raison, mais pourquoi? Exactement. Et ça, c'est une erreur qui est aussi faite souvent. C'est là, je vois ça. Oh ben, ouais, je vais... Allez, le crump, c'est contre du bœuf. Oh, bam, il m'en met une grosse dans la gueule. Parce que je lui ai donné de l'élan. Ben oui, j'ai aidé ses bras à tourner. Donc, du coup, ben, s'il est en ox de ce côté-là, il faut que je fasse contre le sens de ses mains. Et là, du coup, le bon crump, c'est de gauche à droite. Et vous allez voir que, bizarrement, la réponse n'est pas la même. Et je fais pas semblant de tourner. Hein. Enfin, je crois, tu fais pas semblant de tourner. Trop, une fois, j'en ai eu un, il a fait un 360 et les autres, ils se sont marrés. Ils croyaient qu'il avait fait exprès, non? Non, parce qu'en fait, globalement, bah, ses mains, elles ne peuvent pas tourner plus. Elles ne peuvent pas tourner dans ce sens-là. Donc, c'est son corps qui anticipe tout le truc. Donc ça, c'est comment casser la bœuf avec le crump. Mais encore une fois, là, on est sur un crump des bébés qui se voit, et ça va être très rare que vous allez pouvoir lâcher un crump comme ça pour briser une bœuf. Par contre, le crump, il y a aussi, donc il vise l'épée, mais il peut viser les mains. Il se remet en bœuf. Et là, ce que je peux faire, à partir de là, c'est que je peux venir. Ok. Ça, si vous avez des jeux qui vous autorisent les mains, que vous vous autorisez les mains entre vous, ben, globalement, ici. Donc pareil, hein, je ne vais pas aller chercher ces mains-là, parce que si je fais ça, non, mauvaise idée, je vais aller chercher l'extérieur de ses mains. Là, j'ai raté, pas grave. Et on se met loin. Par contre, il faut se barrer, hein, parce que lui, il va vous courir après pour vous en mettre une. Okay. Ensuite, donc, il y a aussi... Pardon ? Dans l'autre sens, c'est-à-dire que si tu veux le chasser. Pardon ?
Oui, là pour le coup, je fais là, bah en fait, regarde ces mains, elles sont belles là. Si je vais les chercher là, je suis dans la merde. Alors que normalement, c'est effectivement comme ça que je devrais faire pour désarmer. Ouais. Ok, donc le crump pour désarmer, il est à l'inverse du crump pour aller choper les mains. Et en fait, c'est ça qui crée la confusion. C'est que les gens, parce qu'on leur dit le crump va chercher les mains, ils font le crump qui va chercher les mains pour briser la garde, alors que c'est pas le bon sens. Et du coup, ça crée la confusion, d'accord? Donc le crump pour aller choper les mains, vous n'allez pas forcément beaucoup l'utiliser. Mais globalement, bon, c'est une mécanique intéressante. Si jamais il est en longue pointe et que vous voulez le fixer, c'est un adversaire, vous n'avez pas envie de le dégager, et surtout, vous n'avez pas le sentiment que vous allez y arriver, ben, c'est là où le crump qui va aller un peu plus vers le fort va vous servir. J'ai dit qu'il ne fallait pas le faire, j'ai dit qu'il ne fallait pas le faire pour faire un dégagement. En gros, si je veux fixer mon adversaire, le crump me permet de dire « tu restes là ». Voilà. Alors là, je ne l'ai pas touché. Hein. Par contre, globalement, je peux aller chercher. Si c'est un adversaire qui a tendance à jouer en longue pointe beaucoup et qui est très mobile comme ça et que ça me gonfle. Pardon. Ok, donc ça vous permet de fixer un adversaire qui vous tourne autour en longue pointe et qui ne veut pas. Qui ne veut pas le liage, qui ne veut pas s'engager sur le combat, qui attend de vous piéger sur une distance. Donc là, vous prenez l'avantage, vous allez le surprendre. Comme vous tapez dans le fort, vous êtes sûr que vous allez le bloquer à cet endroit-là et après, vous travaillez. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on va faire, mais je ne veux pas que vous fassiez que le crump pour les bébés, parce que sinon, vous n'allez jamais le sortir. Donc on va faire le crump un peu pour les adultes. De plus. Donc, le crump, idéalement, il faut qu'on puisse le lancer d'une garde qui ne se voit pas. Donc, il y a une autre garde qui peut être utilisée, c'est chancroute. Okay, chancroute, c'est une garde où en fait, on est comme ça. Alors, vous voyez, il y a une différence. Hein. Ça, c'est la garde de la barrière, Eisenport, Eisenort, Eisenport ou Eisenort, je ne sais plus. Chaque fois, je confonds. Eisenport, ouais. Porte de fer, ouais. Eisenport, vous la ferez jamais, sauf pour vous la péter un petit peu. Par contre, celle-ci, vous allez la faire un petit peu plus. Parce que celle-ci, en fait, imaginons que je fais un Oberau dans le vide comme ça, et je laisse filer mon épée, j'y suis en chancroute. Et là, du coup, ben, mettons en longue pointe. Là, ce qui est bien, c'est que pas grand-chose à faire pour venir faire des décalés. Alors, bien sûr, si je fais que du bras, encore une fois, ça ne sera pas suffisant. Il faut faire le pas. Hein. Un crump sans un pas, ça n'existe pas. D'accord? Donc ça, c'est niveau un peu adulte. Niveau, on est bien. Et du coup, bah, ça marche bien sûr des deux côtés. Je suis ici. Alors, il va plutôt être ici. J'ai fait mon barreau, je laisse filer. Et là, vous êtes obligé de tourner un petit peu. Donc, on est presque en même, mais pas tant. Un. D'accord? Vous allez voir que c'est beaucoup plus sympa de la faire de ce côté-là. Okay? Parce que là, vous avez en fait croisé, décroisé. Ça génère de la force. Là, vous n'en avez pas tant. Et surtout, c'est très rare que vous allez finir comme ça. C'est plus ou moins une foule, mais pareil, c'est dur d'avoir de la patate. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas en avoir, mais vous pouvez. La dernière, on va faire trois variations, vous allez faire les trois, vous allez tester les trois. La dernière, c'est le niveau adulte, vétéran, vieux briscard. On va cacher un crump dans un dourche. Et celui-là, en général, si vous le... Alors, il est très dur à faire. Enfin, non, c'est pas vrai, j'ai dit que je disais pas ça. Il n'est pas très dur à faire, mais il pardonne moins, d'accord? Parce que là, pour le coup, même si vous avez de la jambe, il faut un peu de bras, un petit peu. On est ici. Ok, et à un moment donné, il me gonfle. Donc j'ai fait quoi? Quand je fais mon dours, là, je passe en dessous. Regardez ce qui se passe. Quand je suis en dessous, là, ça ressemble à une chancroute. Hein. Bon, ben là, c'est très facile pour moi de revenir. Donc je travaille un peu. Hop. Ok. Donc du coup, l'idée, c'est quand vous faites votre dours, de plonger en dessous pour réussir à être dans cette posture-là. Ok? Et de l'autre côté, pour réussir à être dans celle-ci. Là, boum! J'ai pas fait le pas, faut le faire avec le pas. D'accord? On teste les trois. Bébé, adulte et vétéran. Ok? Allez. On a tendance à dissocier les coups de maître entre eux, c'est-à-dire que une des clés de la réussite avec les maîtres coups, c'est d'être capable de les lier entre eux. Alors attention, parce qu'il y a des gens qui partent dans du bullshit. Je connais des clubs où en gros, eux, ils essayent à tout prix de faire en sorte que la pièce de Zorn soit suivie par la pièce de Krum, soit suivie par la pièce de Zwerg. Ça n'a aucun putain de sens. C'est comme si vous preniez des problèmes mathématiques de Mathurin va acheter 50 citrons, qui coûtent tant, combien ça fait, et puis le problème suivant, c'est une fraction, et vous faites la suite.
ça n'a aucun sens, ok? Les pièces, elles existent indépendamment les unes des autres. Il ne faut pas s'amuser à les lier. Dans l'état, par contre, les techniques, on va les lier. Et le compound, c'est un coup qui va vous permettre de... Enfin, il faut le construire, il faut qu'il soit intéressant. Je vous ai montré des façons de le faire en ouverture, en première intention. Mais ce qui est vraiment intéressant sur le compte, c'est de le construire, c'est de le mettre au milieu d'une séquence, d'accord, pour donner un avantage. Et en fait, on l'a déjà aussi un petit peu fait, mais je n'en ai pas parlé. C'est-à-dire que, imaginons, je vais partir sur un Zwerch. Allez, je suis ici, c'est un Zwerch. Bon, bah globalement, quand je suis là, ici, je peux... Attends, je vais partir de l'autre côté. Ouais, je pars un Zwerch à gauche. Quand je suis là, je ne touche pas, on est d'accord. Mais globalement, mes mains sont croisées, j'ai les jambes gauche devant. Si je décroise, et que je décroise pour aller à son épée, vas-y, je suis là. Alors tu peux mettre plus haut, là, mais si là, si t'es bas, c'est parfait. Mais globalement, si je suis ici, ben, je tombe pas. Oh, j'ai raté, c'est pas grave, j'ai quand même l'opportunité. Je suis ici. Poum. Et il monte les mains, monte pas les mains, tu veux t'en prémunir. Montrons une réussite. Je suis là, ben, forcément, là, c'est compao. Boum, une tête, d'accord. Donc vous pouvez. Le lier. Je fais un Unterhau, je suis ici. Je vais venir faire Unterhau à gauche. Même chose. Ok, dès lors que je fais une frappe qui est parée où je me retrouve avec les bras croisés, eh bien, j'ai tout intérêt à venir les décroiser. Et si je sens que je ne pourrais pas le toucher par-delà son épée, eh bien, je vais toucher son épée. Okay, les sources nous disent qu'on ne doit pas combattre l'épée de l'adversaire. On ne doit pas chercher à toucher son épée. Oui, dans la phase d'arbeit et dans la phase d'approche. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a derrière l'épée. Mais dans des constructions comme ça, des fois, il faut la sortir de l'équation, l'épée. Pour la sortir de l'équation, il faut agir dessus. Okay? Et là, du coup, c'est une bonne solution pour agir dessus. Il est 4h30. Est-ce qu'on fait une pause goûter?